Hop. Salut à toi Matsoud, bienvenue à bord. Sois bienvenu. On est en train de s'installer. Gaël n'est pas en audio. Est-ce que tu veux que je te mette déjà en audio Gaël pour accueillir les gens ou bien? Ouais. Alors hop, on va faire ça, comme ça tu pourras toi aussi accueillir et dire salut à Matsoud. Salut Aurélie, comment vas-tu? Qu'est-ce que je fais là? Attends, document, il est là. Ouais, c'est bon. Ça va? Eh ben super. Ce soir, ça va être un live tranquille. On va aller se promener avec Gaël en Bourgogne-Romane. Oui. Donc, ça t'intéresse? C'est parti. Oui. Salut, Suze. Ah, salut, Samu Sasa. Salut, Samu Sasa. Salut Rénali. Bienvenue les gens, installez-vous peinardement. Oh, une Suze. Alors. Salut, un DB6. Comment je prononce ça? D'Angoulême. Ah, bah écoute, on n'est pas dans le sujet ce soir. On n'est pas dans le roman de la Saint-Onge. Mais ça nous arrive assez régulièrement de présenter. Sur cette chaîne, les très très belles choses que la roman a produit dans ta région. Salut. Bonjour à la cathédrale Saint-Martin. Lourdement refaite, mais quand même super élégante, je dois dire. Allez, pas mal. C'est toujours un moment d'émotion. Oui, Gaël est en train de finir tranquillement son repas, raison pour laquelle on patiente encore un peu. Moi, j'en profite pour consulter tout mon petit bordel et voir ce que j'ai pour vous. Parce que la dernière fois, on devait visiter beaucoup d'endroits, mais évidemment, on a tellement dérivé qu'on n'a pu visiter que 3 églises. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un peu mieux. Laurent s'est dit, qu'est-ce qu'il a manqué pour visiter plus d'églises? Probablement à Gaël, je dirais. Oui, c'est ça, je me suis... Qui a aidé à garder le cap. C'est ça, grâce à Gaël, ouais. Pour détester les digressions. On va pouvoir aller plus vite. Ah. Voilà. Tu vas à la fête de l'Outourière, mais qui diable peux-tu être, ce cher 1DB6? Ah, 1DB6, c'est le mystérieux DB coincé dans le 16 d'Angoulême, hein. C'est ça. Comment vas-tu, David? Nous écouter, c'est un peu compliqué. On va surtout regarder énormément d'images ce soir, tu sais, David. L'idée, c'est vraiment de se balader sur des chapiteaux qu'on va regarder de très près, de regarder des fresques aussi, des fresques du 12e siècle pour la plupart. Donc ça va être surtout un live d'observation, plaisir visuel, un live contemplatif pour changer un peu des lives bavards. Parce que bon, avec elle, ça risque d'être assez muet, on va pas beaucoup parler, vous savez. Oui. Ah, c'est la vie absurde. On est tous les deux très, très timides. C'est vrai. Pas réservé. Ouais. Non, le pire, c'est que je suis timide. Mais pas réservé. On saura se tenir en plus. On saura se tenir à notre sujet parce que c'est toujours ce que nous faisons. Toujours. Ouais, nous ne dévions. Jamais de digression. J'ai eu le sainte horreur des digressions. On ne dévie jamais de notre cap. Jamais. La ligne droite, c'est notre figure géométrique favorite. Exactement. Bien parallèle, là. Quelquefois, j'ai un orgasme jusqu'à midi. C'est marrant, il attendait cela. En disant bien parallèle, je savais que je déclenchais une séquence. Bah oui. Bah oui. La référence était trop évidente. Comment ne pas? Relève pas. Ouais. Pour les personnes qui
ne le saurait pas. Le fait que je la fais à chaque fois, c'est des preuves. Je n'aime rien que le moment trop fugace, hélas, où l'horloge de ma montre à quartz indique 11h11. Quelquefois, j'ai un orgasme jusqu'à 12h. Voilà, c'était ça, la séquence. Voilà. Alors, on a dit Sergi pour commencer. Est-ce que j'ai la doc de Sergi? Tiens, ce serait mal que pour une fois, je suis un peu organisé. Alors, Tournis, non. Tournis, on va pas y aller. Ça, on ira avec Agnès. Hein. Donc, on laisse tomber l'abbaye Saint-Philibert. Oh, juste qui ressort les vieux dossiers grâce à Wadebot, là. Ah, on peut plus digresser parce que c'est déjà mm-hmm. Non, mais c'était sûrement un autre Gaël Violet, hein. C'est un... Oui, certainement. Oui. Donc ça, c'est oui. Charlie. Charlie au Monceau l'Étoile. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Bah, j'ai rien sur Curgy, mais il y a des églises, c'est très difficile d'avoir de la cul ad hoc. Hein. Donc, on va surtout ouvrir nos yeux, là, je crois. Ça va plutôt être ça. Hein. Une cochonnerie, bah, je sais pas si on peut appeler ça une cochonnerie, David. C'est un... Mais comment tu sais que je fume? Bah, on voit pas l'image, là. On voit tes mains. On voit tes mains, gros malin. Ah, pardon. Alors, j'ai pas vu qu'on voyait les mains. Je fume un short Cohiba. Un short, c'est le format un tout petit peu au-dessus du cigario. Et les Cohiba, c'est parmi les plus raffinés des Havanes en cigario. Donc, c'est tout sauf une cochonnerie. C'est un extraordinaire petit cigario, David, mauvaise langue. Salut à toi, la baleine à gauche. Tu découvres le streaming. Scotché par la première partie, c'est pas étonnant. Ah ben, j'en suis ravi. Eh ben, on va continuer à voir des très bonnes choses aujourd'hui. J'espère que ça va te plaire. Malheureusement, il va y avoir une seconde voie pour foutre un peu le bordel. Bah. Je compte sur toi pour garder le cap. Oui, pour garder le cap et puis peut-être pour enrichir. Il y a un équilibre, ceci dit, donc on va commencer par ça parce qu'il y a un lien direct avec. Donc il y a un équilibre, bien sûr. Fidèle approuve. Dès qu'on parle de roman, chaque fois qu'il est question d'un roman, la première chose qui nous vient. Je vois que le compte à rebours indique 7:17, ça me laisse le temps d'aller préparer ma ricorée. Exactement, tu peux préparer ta ricorée pendant que je continue à accueillir les ozos et les odotes. Voilà. Ah, David bon, approuve. Bonne journée à tous. Allez, gros bisous. Fidel Castro approuve donc mon petit Cohiba. Là, c'est difficile hein, de trouver des cubains depuis quelques temps. Hein. Alors, prix a considérablement augmenté d'une part, et puis en fait, ils n'arrivent pas. Quoi. Il y a plein de cigares qu'on ne trouve plus. En ce moment, c'est ça qui est bien triste. Alors, je vais couper le son de Gaël pendant qu'il papote avec sa maman. Voilà, comme ça, c'est moi qui vous accueille solo. Alors, bah, je peux même décaler un petit peu ça, si vous voulez. Ça peut être pas mal. Voilà, histoire de vous saluer. Voilà. Merci. Alors ce soir, on va suivre le parcours de la première carte hein, qui va nous conduire dans un premier segment de visite autour de Curgy, de Mont-sur-l'Étoile hein, et dans Île-le-Duc normalement, si je me souviens bien, quand je regarde le parcours. Là. Alors là, j'ai Curgy-Gourdon, Percy-l'Effort, j'ai pas du tout. Alors peut-être que j'ai pas pris le bon parcours. Alors, Percy-l'Effort, je parais. Ah, j'ai le retour de Gaël, il faut que je m'enlève ça des oreilles. La drogue, c'est mal, tu as raison, Suze. Alors, pareil, Saint-Germain, Sainte-Marie. Qu'est-ce que j'ai foutu de ça, moi? J'ai pas le bon parcours, hein. C'est con. Comment je vais faire pour vous? Salut Louisa, vous baladez au bon endroit si je suis pas foutu d'avoir la bonne carte. Eh ben c'est pas grave, on va se la faire en analogique. Je vais chercher la bonne carte, c'est-à-dire directement ça. Voilà, c'est le plus simple. Hein. Miaou. Miaou à vous aussi. Voilà, Percy. Alors,
Ok. C'est le moment waf. Ok. Alors, encore 4 petites minutes et on va commencer. Là, Gaël est en train de se préparer une boisson chaude. Non, pas d'Agnès ce soir, parce qu'elle va mieux, bah c'est pas ouf. Hein. Elle, on l'a emmenée à l'hôpital cette nuit, donc elle est à l'arrière-plan, tranquillement, en train de regarder des trucs. Et on essaie de faire baisser au maximum sa température, tout simplement, parce qu'elle est montée jusqu'à 42 quand même. Hein. On peut dire que c'était assez impressionnant. Alors, et mon show est sur quel plan? Ah, il est sur ce plan-là. Ok, bon, ça sera pas si compliqué de trouver ça. C'est le deuxième plan. On va suivre un petit peu ce que j'avais imaginé comme enchaînement d'églises pour vous, plutôt que de se fier juste au parcours et aux cartes. Ce sera plus sympa. Là, c'est ce qu'on fait. On a fait ça cette nuit. C'était assez épique, puisque pour faire baisser sa température, comme j'avais pas du tout de compresse froide, on a commencé par la faire baisser en pleine nuit avec un sac rempli de haricots surgelés. Alors, j'ai descendu au congélateur et c'était le sac de haricots. Et avant d'aller à l'hosto, c'était chou-fleur. Drôle de façon de régler le problème, mais il fallait absolument faire baisser très vite sa température parce que ça pouvait devenir un petit peu inquiétant quand même. Elle est montée à 42, hein, c'est pas rien. Mais là, ça va aller. On lui fait des piqûres en intramusculaire de pénicilline, donc c'est très peu agréable, mais ça aura des vertus sur ça. Sur sa fièvre, ça va la baisser, ça va lutter contre l'infection du rein qui est touchée. Voilà, pour les petites histoires domestiques, pour ceux et celles, ouais, c'est beaucoup 42. Hein. Écoute, j'ai pris ce que j'avais. Et en plus, franchement, le petit pois, à mon avis, ça aurait été mieux. Hein. C'est vraiment idéalement la forme de légume qui pouvait épouser son crâne le mieux. Mais j'avais pas. Ça a été haricots et chou-fleur. Pour deux petites sessions de refroidissement express. Hein. Et non, la visite à l'hosto, j'avais oublié à quel point l'hôpital était un lieu d'attente interminable. C'est un peu compliqué. Tu sais, dans le domestique, il n'y a pas de... Enfin, pour nous, constituer notre environnement domestique, ça fait partie de cette construction à deux. Il y a quelque chose de chaleureux quand je parle de domestique. On est très attaché à notre vieille maison qu'on a entièrement retapée. Elle nous ressemble en fait. Salut Raph. Donc, il n'y a rien de péjoratif quand je parle de la sphère domestique, de nos préoccupations domestiques, de notre vie domestique. C'est très strictement superposable à notre manière de vivre ensemble, le rapport à la maison. Comment ça aussi, là, tu n'as pas honte? Ou alors, nous sommes la servante l'un de l'autre tout le temps. Alors, vous n'entendez pas, mais j'ai les bruits de la maison Gaël dans les oreilles. Il se passe des trucs. Je crois que c'est la télé. J'entends la télé arrière-plan, ça doit être la maman de Gaël qui regarde la télé. Merci pour le follow, Adi Matrix, bienvenue à bord. Bienvenue pour cette petite promenade dans la roman bourguignon de ce soir. Bon. Alors, encore quelques secondes, Gaël n'est pas revenu. C'est pas grave, alors je peux commencer la présentation sans lui. Et vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. C'est le bruit de la chicorée qui essaie de s'enfuir. Elle essaye d'échapper au sacrifice rituel de la chicorée, mais elle n'y échappera pas à mon avis. Alors, mais de rien, mais Dimatrix, tu es archi bienvenue. Ah ben voilà, c'est fini, l'attente, on peut la virer, il n'y a plus besoin, je peux vous accueillir comme il se doit. Alors, on va peut-être se mettre un tout petit peu de musique, mais pas trop fort. Alors, elle va être forcément hors sujet,
parce que je n'ai pas de musique libre, ambrosienne ou autre. Donc on va pas écouter de musique de la bonne période, de la période romane. On va forcément écouter autre chose. Mais de toute façon, c'est loin en arrière-plan et ça n'est pas si grave. Ah, revoilà Gaël. Je vais remettre le son. Je l'entends qui arrive. Tu t'installes, Gaël ? C'est bon ? Tu m'entends ? Ah non, il chantonne. Je crois que c'est pas pour nous. Bon, c'est pas grave. Je recoupe son son et je vous dirai quand est-ce qu'il réapparaîtra dans mes oreilles. Bon. Ah ben super, tu es là. Donc je vais pouvoir présenter rapidement ce qu'on va faire ce soir. Donc ce soir, j'ai le plaisir de faire cette troisième ou quatrième promenade à travers l'art roman en compagnie de Gaël, qui aura sûrement des tas de remarques intéressantes à nous faire pour dire d'autres choses que celles dont je vous encombrerai sur ce qu'on va visiter. Ne me survends pas, s'il te plaît. ça la va... pression tout de suite. Mais non, ça va égayer un peu ces lives qui sont bons, qui sont quand même assez sages, hein, il faut bien le dire. Et donc la dernière fois, on avait visité quelques merveilles quand même. Hein. Je ne sais pas si pour ceux et celles qui n'ont pas vu, on a été voir les fresques de Brinet, qui sont vraiment des fresques sublimes. Alors c'est pas proprement parler en Bourgogne, mais on a commencé pour atterrir en Bourgogne, puisqu'on partait de la Bretagne, par faire une visite à travers le Berry. On a fait une halte autour de Bourges et on a pu voir comme ça Brinet, Chalivoy-Millon et la Charité-sur-Loire. Et nous descendons aujourd'hui, cette fois-ci, vraiment en Bourgogne, autour de Autun notamment. On va visiter Curgy, on va visiter Monceau-l'Étoile, enfin j'espère qu'on va faire plein de trucs, Anzy-le-Duc, et comme, enfin je ne suis pas superstitieux, mais je ne vais pas faire comme si on allait en faire plus de 3, parce que la dernière fois on n'a pas réussi à en faire plus de 3, et je ne vais pas dire de non en plus. Si on peut aller plus loin, si on peut aller à Brinan, si on peut aller à Bois-Sainte-Marie, c'est que... Tu viens de dire, je ne vais pas dire de non, et paf, qu'est-ce que tu fais derrière, t'en donnes 2. Ah oui, c'est vrai. Direct. Direct, ah, merde. Ouais. Je suis mon... En plus, Bois-Sainte-Marie, c'est la hype en plus, donc ceux qui connaissent sont déjà en train de baver sur leur écran. Ouais. Et j'y crois pas trop. Soyons francs. On va essayer. Bah, de toute façon, j'ai commencé par une petite église très modeste. C'est l'église de Curgy. Donc ça, c'est relativement simple d'aller y faire un petit saut. Je vais vous montrer où c'est sur quoi, la carte. Son, d'ailleurs. Là, vous voyez. Moi, j'aurais voulu des organones de l'église Notre-Dame pour accompagner notre voyage. Mais il n'y aura pas. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas d'interprétation en libre droit. C'est des trucs qui ont été composés au 12e siècle. Et c'est pas libre de droit, quoi. J'en ai saloperie de copyright de merde. Ouais, mais c'est pas grave. Du coup, nous écoutons l'ensemble À vous sans autre, qui est l'ensemble baroque dans lequel chante ma compagne, Agnès. Et voilà, parce que je sais que ça, on peut l'écouter, personne ne nous fera chier. Donc il y a énormément de choses, ouais. Mais c'est un programme baroque, donc complètement anachronique par rapport à ce qu'on écoute. Complètement anachronique. On aurait pu écouter de la techno, ça aurait été pareil. Peut-être pas. Mais... Non, je dis ça pour te taquiner. Il se trouve qu'effectivement, les églises romanes sont très mal faites pour chanter du baroque parce que tout simplement, il y a une réverbération qui est considérable. Donc, elle se prête très bien aux monodies grégoriennes, ambrosiennes, parce qu'effectivement, vous pouvez tirer des notes très, très longues, très étirées, et vous ne salopez pas la musique. Si vous commencez à chanter du Gesualdo dans une église romane, ça casse la tête à tout le monde, à mon avis. Ça serait l'enfer. Donc, bon. Ce ne sera pas ça le programme, mais ça n'est pas grave. Alors l'église de Curgy, comme vous pouvez le voir sur le plan, donc ici, c'est Autun. Hein, donc vous voyez à peu près où est Autun, mais je peux vous montrer par rapport à la Fronze. La Bourgogne, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est par rapport, c'est au sud-est de Paris. Voilà. Donc vous avez ici... la capitale est à peu près vers là. Bourgogne, ses escargots. Ouais, c'est ça, exactement. Là, vous avez la capitale. Et là, vous voyez, donc, au sud-est, vous avez la Bourgogne, qui est très grande. Hein, c'est vraiment immense. Donc, cette année, on s'est concentré sur la partie nord. Les années précédentes, on était descendu beaucoup plus au sud. Hein, donc là, on n'ira pas tellement plus au sud, je crois, que Charlieu. C'est-à-dire, dans l'axe nord-sud, c'est sous Paray-le-Monial, une soixantaine ou soixante-dizaine de kilomètres... au-dessus de Paray-le-Monial. Et là, bon, là, on est dans le nord, on est près d'Autun, on n'est pas très très loin d'Autun. Si on regarde le parcours proposé, on voit qu'on peut faire tout ce parcours entre Curgy, Autun, Gourdon et Percy-les-Forges en 1h27, ça fait 84 bornes. Alors, il faut savoir quand même que la Bourgogne, contrairement au Berry, est extrêmement accidentée. Donc, c'est des tas de petits lacets à travers, enfin, c'est très vallonné, hein.
Donc, à travers des petites montagnes. Et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup de patience pour atteindre des endroits qui vont se nicher souvent dans des villages assez difficiles d'accès, en serpentant. Vous n'allez pas excéder les 50 km/h. Donc, il faut les vouloir. Et des fois, il faut les vouloir beaucoup parce qu'ils sont mal indiqués. Et ça demande du temps, de la patience. Mais du coup, quand vous tombez face à face avec ces belles choses, bah, la récompense est immense. Vous êtes pris d'un tremblement de joie. Donc Kurji est là, si vous voyez, c'est très près d'Autun, c'est ici, c'est au nord-est d'Autun, voilà, vous avez Autun qui est là, et Kurji qui est là. Salut à toi, petite loutre. Ah, c'est mignon les loutres. C'est mignon, bienvenue ici, petite loutre. Et on va commencer par regarder un petit peu Kurji. Il y a des églises sur lesquelles je ne peux pas vous dire grand-chose, parce que la documentation est plutôt rare, c'est comme ça. On doit composer avec ce qu'on trouve comme doc. Dans la plupart des églises, vous avez ce genre de choses un peu partout, c'est-à-dire des petits fascicules. C'est pas mal foutu en Bourgogne, je dirais que... Alors, pour ceux et celles qui aimeraient se lancer dans ce genre d'aventure, à savoir traquer les églises romanes à travers la France, il y a des régions que je ne vous conseille pas parce qu'il est assez compliqué de rentrer dans les églises. La Saint-Onge, par exemple, souvent les églises sont fermées. Et il faut chercher les clés un peu partout, donc trouver la personne du village qui a la clé. C'est un renseignement qui est souvent pas facile à obtenir. Et après, il faut espérer qu'elle ne soit pas morte, par exemple, la personne. C'est souvent des vieilles personnes qui s'occupent des églises romanes. Ouais. En plus, si elle a été enterrée avec les clés, c'est le bordel. Faut une pelle, ça prend la moitié de la journée. Enfin... C'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer. Et ensuite, bon, il faut espérer donc que ce soit possible. Et puis voilà, vous pouvez seulement, dans ces conditions-là, rentrer dans l'église. Ce n'est pas du tout le cas en Bourgogne. Donc, c'est très gratifiant de commencer par la Bourgogne. Parce que d'une part, comme vous le voyez ici, même dans les toutes petites églises, vous pouvez trouver de la documentation bien faite. Vous noterez que là, pour pratiquement toutes ces toutes petites églises, on trouve quelque chose, même les plus modestes. Burnon, par exemple, est une des églises les plus modestes qu'on ait croisées. Et ils ont pu se fendre en un petit fascicule. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. C'est vrai qu'on voit le plan au sol, c'est pas... Et parfois, ils font même des cartes postales. Pour ceux et celles qui n'ont pas d'appareil photo de qualité, c'est pas toujours facile hein, de prendre des photographies dans des églises romanes qui sont souvent extrêmement sombres. Donc, parfois, ben, ils font des cartes. Là, c'était précisément à Brinet, où nous sommes allés à la dernière visite. Donc là, à Kurji, là, j'ai rien trouvé. Donc, Kurji, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Je peux vous la présenter très brièvement. Et après, on va commencer à se balader dedans avec Gaël. Salut à toi, Sarah. Et merci pour le follow, petite loutre. Donc, Kurji, c'est une modeste petite église romane. Le patron de l'église, c'est Saint Féréol. C'est une église du début du XIIe, donc on est au milieu, on va dire, de la période romane. Elle est entièrement romane, donc ça veut dire qu'elle n'a pas été retapée, elle a pas des bouts d'autres périodes. Elle s'est pas effondrée, donc elle est assez simple. Hein. Elle a une nef en berceau. Donc vous voyez, les berceaux, c'est ces voûtes très arrondies, en fait, pour dire grossièrement, en demi-cercle, vous voyez. Donc ça veut dire que la nef, le corps du bâtiment principal, est voûté comme ça, de cette espèce de cintre régulier. Et les deux bas-côtés, qu'on appelle aussi des collatéraux, on peut aussi appeler ça des nefs, en plus de la nef principale. Enfin, il y a plein d'usages pour en parler. On appelle ça des vaisseaux aussi. Bref, les deux collatéraux sont en demi-berceau, donc en quart de cercle, si vous voulez, de part et d'autre de l'église. Je ne sais pas si je vous ai chopé le plan. Souvent, je vous ai trouvé les plans des églises. Kurji fait exception. Ça fait vraiment partie de celles pour lesquelles je n'aurais pas grand-chose à vous montrer. Salut Narcisse, bienvenue à toi. Qu'est-ce que je peux encore dire? Tu savais qu'il y avait 600 Féréoles. Comment? En 5. Il y a plusieurs Saint Féréol, hein, tu veux dire des églises Saint Féréol. Non, il y a 500 Féréol. Ouais. D'accord. Ok. Je voulais trouver quelques petites informations sur ce fameux Saint Féréol. Ah, ça aurait été cool, ouais. Que je ne connaissais pas. C'est vrai, c'est une bonne idée. Et bah, il y en a 5, faut que je veux dire. Ah, c'est emmerdant, donc on va pas faire ça. on a un évangélisateur de la Franche-Comté. Attends, martyr, non, tu l'as. Ça pourrait être lui. Hein. Bah oui, Bourgogne-Franche-Comté, oui, ouais. Évidemment, oui. Bah, oui. Je pense que c'est celui-là. Bah, dis-nous quelque chose sur ce Saint Féréol, alors. Alors, Féréol de Besançon, mort en 212. mort en 212. D'accord.
Donc un évangélisateur qui est associé, très précoce. Qui est associé à Saint Ferjeux de Besançon. Ok. Voilà, qui ils sont tous les deux les saints patrons de Besançon. Ils sont tous les deux morts pour la foi en 212. Voilà, ils sont tous les deux fêtés en même temps le 16 juin. Ok. Donc dans pas très longtemps. Donc c'est des martyrs romains. Ok, intéressant. Donc on sait à peu près situer ce bonhomme, là, le saint patron. Vous allez voir que l'Église est aussi modeste dans. Ils étaient francs, hein, d'accord. Très très drôle. Dans son ornementation, vous voyez là les baies du clocher, c'est vraiment d'une grande rigueur avec très très peu de choses. On a des baies géminées toutes simples avec une colonnette en plein centre avec une espèce d'esquisse de chapiteau qui est un proto-corinthien, enfin en tout cas quelque chose avec des petites feuilles d'acanthe qui se bouclent sur les côtés. Ouais, plus très lisible, malheureusement. Bon, je crois que c'est surtout parce que la taille est très rudimentaire. Je ne crois pas que ce soit, tu vois, un effet de l'érosion. Je pense que c'est vraiment un strict minimum sculptural. Il faut voir quand même qu'à l'extérieur, les églises de Bourgogne sont rarement foisonnantes. Tu vois, si tu compares aux romans, par exemple, de la Saintonge, particulièrement, où c'est riche, et puis il y a vraiment beaucoup de choses, ou d'Auvergnat, où quand tu es à l'extérieur, tu as déjà beaucoup d'informations. Souvent, sur les églises bourguignonnes, c'est une énorme retenue, il y a peu de décoration. Oui, là, c'est presque étonnant à quel point, d'ailleurs. Là. Avec le roman, il y a une manière de souligner les choix architecturaux qui se voient très 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 bien à l'extérieur. Oui. Là, rien. Non, pas grand-chose. Là, rien, ça pourrait être une grande limite. Quelques contreforts. Voilà, trois contreforts qui se battent en duel. C'est ça. Quatre, en fait. Effectivement. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que son chevet a l'air plat à l'extérieur parce que l'abside de Curgy, elle est prise dans une maçonnerie. Donc, ce qui ne fait pas goûter, tu parlais de la possibilité de lire un édifice par son extérieur, bah, Curgy s'y soustrait en ne rendant pas possible la lecture de son abside. Vous verrez ça. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bon, vous allez voir, c'est pas grand-chose. Elle a une jolie abside dont le cul de four est peint à fresque. Il y a un Christ en gloire, vous allez le voir, dans une mandorle, et qui est entouré du tétramorphe. Donc on va juste regarder ces belles choses. Ça, c'est un truc justement où je voulais. La raison pour laquelle je voulais regarder pour Saint-Ferréol, c'est pour voir un petit peu son iconographie, quoi. Ouais. Ah bah, là, il a été décapité en général, on le représente avec sa tête dans la main à côté de son frangin. Alors, il n'y a pas de don, à moins qu'on ait un petit intrados comme ça dans une fenêtre. Ça peut arriver dans la roman bourguignon que des iconographies des saints viennent se situer, tu vois, dans les intérieurs des baies, des fenêtres, dans les intérieurs, ouais, c'est ça, dans les ébrasures des fenêtres, quoi. Là, je crois qu'il y a juste notre abside, mais alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Ça veut dire qu'il ne nous reste que ça, plus simplement. Donc, vous voyez que c'est un espace petit, modeste. On peut accéder à une espèce de tribune qui permet ici d'avoir une vue. On a une vue. Non. C'est juste une petite tribune. Non, il y a. Mais non. D'autant que les jubés. Je voyais pas bien. Je crois qu'il en reste pratiquement plus. Alors, il en reste, je crois, une trentaine. Ils sont presque tous détruits quand simplement l'espace liturgique a changé. C'est un truc qui s'est institué comme type de cloisonnement après la période romane. Mais ça ne veut pas dire que les églises romanes en soient dépourvues. On les a juste construites après. Et comme je t'ai dit qu'elle était entièrement romane, du coup, il n'y a pas d'ajout gothique à l'intérieur de celle-ci. D'accord. Donc, il n'y a pas de jubé. La tradition plus romane, si tu veux, pour ce type de séparation entre le Saint des Saints et l'espace du public, c'était plutôt un trèfle, une poutre de gloire. C'est un peu l'ancêtre du jubé. Tu vois, cette poutre transversale qui pouvait se situer dans l'arc triomphal et souvent surplombée par un Christ, ce genre de choses. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de trèfle. Peut-être parce qu'il est tombé, peut-être parce qu'il n'y en a jamais eu. Et comme on peut voir là en vue plongeante, on a juste une vue sur le cul de four de l'abside qui est au fond. Si vous avez des questions dans le chat pour les termes techniques, il ne faut pas hésiter. Beaucoup de termes techniques, ouais. N'hésitez pas, c'est l'occasion. Donc là, on va se promener. Donc c'est la belle vue plongeante qu'on a depuis la tribune qui permet de goûter vraiment la rude, belle simplicité de cet espace. Alors, je pense que la volée de marche courbe là est assez exceptionnel dans son genre. Je ne sais pas si c'est un ajout tardif, mais tu vois, cette espèce de construction là, est plutôt mystérieuse pour moi.
Je la trouve bien peu romane, mais puisqu'il est dit que peu de choses ont été rajoutées. Bon, le bois du cœur, par contre, il est évidemment plus tardif. Oui. Hein. Et ce qu'on a à voir, donc, c'est cette chose qui est là. Non, c'est pas cette femme mystérieuse qui me suit partout. C'est cette chose-là. Qui est-elle? Qui est-elle? Très drôle, le saint dessin, vous êtes bien sur la chaîne qui parle de bande dessinée. Donc ça, c'est ce cul de four. C'est la partie donc, c'est, qui va voûter ce qu'on appelle l'abside, donc qui est derrière le corps, au fond de l'église, et qui forme une espèce de quart de sphère. Mais ça, vous commencez à avoir l'habitude. Et la tradition iconographique veut d'y flanquer généralement un Christ en gloire. Alors après, il y a plein de variations sur le modèle de Christ en gloire. On va regarder celui-là. Ça a pas loupé. Voilà, là, on le voit bien. Là, on a une belle vue sur cette conque. Ah oui. Donc, on a là aussi un régime iconographique minimum, avec quand même un truc assez intéressant dans la mandorle. Donc, la mandorle, c'est cette chose que vous avez autour. C'est en forme d'amande, d'où, c'est le, d'où le nom mandorla en italien, ça veut dire. Exactement. Amande, tout bêtement. Mandorla. C'est un Christ. C'est descriptif. En gloire, vous notez. On peut peut-être rapidement expliquer le. Comment dirais-je? Le sens théologique de la mandorle. Dans la présentation. Il est multiple, il est vraiment cet espace qui va signifier où que vous le situiez, on pourrait dire la place spirituelle du monde dans laquelle se trouve le Christ. Son espèce d'auréole de gloire le situe vraiment sur le plan spirituel, donc le dégage du monde matériel dans lequel, au-dessus duquel il s'élève. Mais ça permet aussi de créer des ponts de communication de toutes sortes, donc verbaux, allégoriques, symboliques, avec celui-là. Et après, la mandorle va se charger petit à petit toutes sortes de significations supplémentaires, notamment parce que sa forme est assez évocatrice de plein d'analogies potentielles. La première est la plaie de Christ. Ouais, ah oui, c'est vraiment la plaie. Ouais. On va l'associer à toutes sortes d'autres choses de cette plaie. Il y a même des lectures utérines de cette figure, qui ça peut paraître un peu audacieux, mais ça ne l'est pas. Quand on connaît bien le catholicisme, on sait que l'obscénité apparente de certaines thématiques ne l'est pas pour la pensée chrétienne. Il y a une crudité, des fois, de certains motifs qui peuvent vous sembler curieux, qui sont plus explicites que ce qu'on pourrait imaginer. C'est quelque chose qui s'est perdu même chez les chrétiens. Eux-mêmes. Oui. Peace Christ de. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? Sorano. Salut Strega, oui. Peace Christ de Sorano, il est catholique, il est très, très croyant. C'est pas du tout une œuvre qui se veut blasphématoire, au contraire. C'est une œuvre qui parle de ce que, en théologie catholique, on appelle le scandale de l'incarnation. C'est-à-dire, imaginez que si le Christ, qui est une des trois personnes de Dieu, s'est incarné et s'est fait homme, il s'est fait homme dans toute sa matérialité, ce qui veut dire qu'il faisait pipi et caca. C'est un des aspects du scandale de l'incarnation. Ça ne se voulait pas du tout, mais alors du tout blasphématoire. Évidemment, la plupart des cathos intégristes ont... Les cathos intégristes ont pris ça pour un blasphème, quoi, pour une attaque. Ben oui, ce dont parle Gaël a un effet considérable sur l'histoire du dogme, puisque évidemment, on pouvait imaginer que beaucoup de primo-chrétiens ont beaucoup résisté au caractère plaigné de la nature humaine du Christ, et notamment pour ce genre de raisons, ce qui explique une bonne partie des hérésies qui attaquaient essentiellement la consubstantialité des hypostases, je vais vous dire ça en termes plus simples, mais le fait que Père, Fils et Saint-Esprit fussent une seule et même chose. C'était beaucoup des hérésies, que ce soit le sabellianisme, l'arianisme, etc., sont des hérésies dont le principal moteur d'existence était de se soustraire à ce caractère-là. Il y a même des hérésies assez étonnantes qui faisaient donc il y a l'adoptionnisme qui faisait du Christ le fils adoptif de Dieu. Ça a eu beaucoup cours en Espagne à la période de l'Iéna. Il y en a beaucoup, il y a une dizaine de... L'Angelos Christos d'origine, c'est l'autre point de vue, c'est-à-dire le Christ n'était que d'apparence humaine. C'est ça, par exemple. Mais il était...
Voilà. Donc, il y a vraiment. C'est la plupart des hérésies sont ce qu'on appelle des hérésies. Merde, j'avais le nom. Ah, ça m'a christologique. Christologique, voilà, exactement. Merci. Parce qu'elle porte sur la nature du Christ, c'est parfois ça. Aussi sur la nature de l'Esprit Saint. Mmh. Typiquement, la rupture avec l'Église d'Orient s'est faite sur le filioque, c'est-à-dire que l'idée que dans la partie ouest du christianisme romain, on considérait que l'Esprit procédait du Père et du Fils, alors que dans la partie est du christianisme romain, donc ce qui va devenir le monde orthodoxe, on considérait qu'il ne procédait que du Père. C'est ça. C'est encore christologique, vous voyez, quelque part. Il est question de... La rupture se fait sur la nature de l'Esprit-Saint, mais dans sa relation avec le Fils. Exactement. Voilà, la grande majorité des églises chrétiennes tournent autour de la manière dont le Christ était Dieu. Était homoousios ou homéousios. Donc, ouais. Observons cette image, cette mandorle, elle a quand même quelque chose à nous dire qui est assez intéressante. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais cette mandorle est en quelque sorte double. On a évoqué... Ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, alors je ne vois pas très très bien, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des motifs de mandorle sur chacune des... Attendez, je vais l'éclaircir un peu briques, pour qu'on voit mieux ça. En fait, qui crée la mandorle. Ouais. Il y a des motifs de mandorle. Oui, c'est vrai, tu as raison. On peut zoomer là-dessus. Il y a quelque chose qui ressemble, comme des petites blessures, comme des petites scarifications, tu as bien vu, tout le tour de la mandorle. Mais autre chose qui est assez intéressant, le Christ est assis sur quelque chose qui renvoie à cette mandorle, mais peut-être sur un second plan, et précisément le lieu de passage entre le temporel et le spirituel pourrait bien se faire dans cet endroit-là. J'aurais dit la cité de Dieu, moi, du coup. Il y a quelque chose de très... Oui, bien sûr. Oui, complètement. Il y a quelque chose de très, qui évoque des portes de maison, etc. La forme ronde, c'est la forme traditionnelle canonique de la cité de Dieu. C'est assez logique qu'il soit posé dessus, du coup, de mon point de vue. Complètement. Pardon, je t'ai interrompu. Non, mais c'est justement observé, c'est-à-dire que ce lieu-là, sur lequel s'assied le Christ, qui est sa cathédrale en quelque sorte, c'est-à-dire son trône, et très probablement le caractère sphérique le rapporte à la terre elle-même, à une Jérusalem céleste, comme le dit Gaël. Mais ce qui est intéressant par rapport à ces formes rondes, c'est qu'elle renvoie aussi à autre chose qui peut être intéressante dans une figure du jugement, ça permet une interprétation plus ouverte encore, à l'arcosolium, c'est-à-dire au cas où... souterrains dans lesquels les Romains faisaient leur cénotaphe et qui a servi de prototype pour énormément d'imagerie funéraire par la suite chez les chrétiens. Et cet arcosolium, ces constructions font beaucoup penser à quelques-unes des propositions iconographiques qui ont été faites pour représenter, au moins dans les versions antérieures à l'invention du purgatoire, le refrigerium, c'est-à-dire un endroit où les âmes étaient dans des petites cellules semblables à celles-ci. Donc cette espèce d'objet... Cette espèce de petit objet est un objet double qui peut se lire à la fois comme Jérusalem céleste et aussi potentiellement comme cette espèce d'espace en attente du jugement de toutes les âmes dans un arcosolium. Et est-ce que vous voyez là ensuite tout autour je pense que Gaël voit très bien de quoi il s'agit. C'est le tétramorphe. Oui. Voilà. Oui. Donc là, qui évoque dans un contexte chrétien, les quatre évangélistes. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors, ça existe hein, dans une vision juive. Je crois que le sujet vient de Daniel, si je me souviens bien. C'est la vision de Daniel, oui. C'est ça, ouais, c'est une vision de Daniel. Donc là, il y a quatre figures associées aux quatre évangélistes. Donc, vous avez le lion de Saint-Marc qui est là, voilà, ici. Ouais. Voilà, le taureau de Luc. Vous avez le taureau, effectivement, de Luc qui est ici, l'ange de Matthieu. De Matthieu. Qui est là, et le plus jeune de nos amis, voilà, l'aigle de Saint-Jean. Donc là. Ça se retrouve assez bien dans leur. C'est assez facile de... Comment dire ? Oui, c'est ça, Lyon. D'interpréter leur association, d'ailleurs. Bah, typiquement, Matthieu, l'ange, il a une figure humaine. C'est celui qui parle le plus de l'humanité du Christ, puisque c'est lui qui parle de son enfance. Il y a quelque chose de stylistiquement très logique à ce que Jean soit l'aigle aussi. Ça plane énormément. Puis d'un seul coup, ça...
Ben oui, c'est pas bon. Non, mais c'est celui. C'est l'évangile apostolique. C'est le plus mystique des quatre. Hein. C'est vrai, c'est celui qui se soustrait. Il est considéré comme à part, effectivement. Il a la raison. On a trois évangiles qu'on considère comme synoptiques, c'est-à-dire qu'en gros, on peut les lire côte à côte. Ils ont pratiquement un suivi. Ils parlent la même chose. C'est ça. Et avec un déroulement à peu près identique, à quelques anecdotes près. Alors que celui de Jean est complètement à part. Là, on a zoom très excitant sur le beau visage de ce Christ, donc ouais. Qui est avec des gros yeux, qui ouais, de la même période, quoi. Alors il y a des parentés entre cette œuvre et des œuvres du nord de l'Espagne, mais je vous ai déjà parlé des liens entre l'art bourguignon et l'art du nord de l'Espagne. Il y a quand même plein de choses qui les rapprochent. La Bourgogne et la Franche-Comté, c'est le même coin, non? Ouais. Tout à fait. Très très longtemps, ça a appartenu à l'Espagne, en fait. Ça a appartenu aux Habsbourg. Donc c'était. Il y a un poème de Victor Hugo qui parle d'ailleurs de je ne sais plus quelle ville de Franche-Comté comme bidouchose ville espagnole. Bah là, à l'époque, bon, c'est un peu compliqué puisque pour ceux et celles qui l'ignorent, bon, l'Espagne. À l'époque, c'était pas en France. C'est hein, ça. Mais... Et alors, je peux vous la faire courte, mais comme on va peut-être parler d'art espagnol tout à l'heure, si on parle des Beatus de Liébana, on va peut-être faire ça. J'en sais rien. Donc tétramorphe. Donc pour répondre à la banane à gauche, c'est ça. Ce sont les quatre formes tétra qui symbolisent les quatre évangélistes pour les chrétiens. Donc on l'a dit ouais. Avec Gaël, hein, le taureau de Saint-Luc, le lion de Saint-Marc, l'aigle de Saint-Jean. Jean et l'ange de Saint Matthieu qu'on est en train de regarder de tout près. Enfin, c'est ça le tétramorphe. Donc voilà l'ange de Saint Matthieu. Voilà. Et donc pour cette histoire espagnole, faut quand même savoir un truc qui va nous intéresser au niveau de l'iconographie, puisque l'iconographie espagnole va avoir un effet considérable, en tout cas l'iconographie apocalyptique, sur le reste de l'Europe pendant un moment, tout simplement parce que l'Espagne, dès le début du 18e siècle, va être occupée par les Arabes. Et ça compte pas mal. Donc, je crois que les Arabes s'emparent de l'Espagne autour de 710-711, parce que je crois qu'il y a un des chefs visigoths qui a l'idée assez saugrenue, parce que les clans sont en train de se déchirer. C'est un peu la chute hein, de l'Empire visigoth. Ils demandent de l'aide aux Arabes. Ils disent, ben oui, on arrive, qu'à cela ne tienne. Donc, évidemment, ils arrivent et ils dégagent le couillon. À la romaine, hein. À la romaine, hein, c'était... Ils vont être là, bon moment, croyez-moi. Comment ils appellent César hein? Pareil. Alors, mais... Et... Non, mais c'est un truc assez typique, quoi. De demander de l'aide à la force politique dominante de sa région, c'est rarement une bonne idée. C'est quand même une idée à la con. Non, mais ceci étant dit, idée à la con, ça s'est pas si mal passé que ça, en vrai. Hein. Bah, en tout cas. Surtout, pour Beatus, c'était vraiment vécu comme une... Beatus, donc, c'était un moine du 8e siècle, donc contemporain de cette période. Beatus, qui vit à Liébana, bon, pour ça qu'on l'appelle Beatus de Liébana, va écrire des commentaires de l'Apocalypse. Ouais, qui était moine. Et qui l'a pris mal. Ouais, du coup, il vit pas ça très très bien, d'autant qu'a priori, les gouvernements de Tolède ne voient pas d'un œil si mauvais que ça la cohabitation avec la pensée arabe. C'est une période assez vive d'hérésie, pas trop mal vécue par la plupart des Espagnols, mais pas très bien vécue par Beatus et pas mal d'autres moines. Et il écrit des commentaires sur l'Apocalypse qui vont être richement illustrés pendant deux siècles. Il écrit à quelle époque? Lui, il écrit au 8e. Il écrit donc de façon contemporaine, tu vois, de cette invasion. Et il écrit sur l'Apocalypse, que tu le sais sans doute, j'imagine, l'Apocalypse c'est vraiment un texte de combattant en fait, et d'assiégé. Enfin, le texte apocalyptique, très caractéristiquement, c'est une forme d'écriture, c'est vrai pour l'Apocalypse de Jean. Très graphique, hein, le texte même du combattant, ce sont des textes de lutte, ouais. Et du coup, c'est pas étonnant qu'en situation comme ça, de siège, des sentiments donc très, très, très forts... d'assiégement de la part de Beatus, ouais. Il a écrit ses commentaires qui vont donc être super illustrés. Enfin, on regardera un de ces quatre si vous voulez des Beatus ensemble. J'en ai amené au cas où on va y en causer. Et ça va servir, mais jusqu'au 16e siècle, de matrice pour l'iconographie apocalyptique. Jusque dans les grands cycles de fresques ou de tapisseries que vous connaissez de l'Apocalypse, il y a des marqueurs forts qui viennent de ce qu'on appelle les Beatus, c'est-à-dire les nombreux manuscrits illustrés, qui sont plus tardifs que Beatus, qui sont du 11e au 10e au 12e. Comment ? Les Beatus sont à Beatus ce que les Isopès sont à Isop, en gros.
En quelque sorte, c'est ça. Ça arrive un peu après, mais ça le fait vivre très puissamment, ça, la légende de son texte, la force de son texte. Et ça va servir de matrice, effectivement, comme les Isopais, pour toute une généalogie, mais cette fois-ci iconographique, plus que textuelle. Peut-être ce que disait Laurent sur le texte de l'Apocalypse lui-même, en tant que texte de Luc. De tous les livres chrétiens, l'Apocalypse est le plus juif. Oui, de loin. Il est construit comme un midrash, vraiment. Et il appartient à cette tradition de résistance à l'oppression extérieure, en fait, qui était la norme des textes de la tradition juive depuis les Maccabées. Exactement. Voire depuis l'exil, mais surtout depuis les Maccabées, quoi. C'est vraiment, il y a encore à l'époque de Jean de Patmos, il n'y a encore pas vraiment de distinction entre juifs et chrétiens d'ailleurs, et il y a une situation de judaïsme complètement assiégé. On n'est pas si loin que ça de l'époque de Baroque Bas, du massacre de Masada. Enfin bon, c'est Le monde juif auquel appartient le monde chrétien à l'époque est un monde assez tragique, on va dire. Voilà. Alors là, on est en train de regarder l'incroyable taureau de Saint-Luc, hein, qui est très vivant. Ouais. Le taureau ailé. Alors, je vous mets là. En cours de traitement. Voilà, pardon, le taureau de Saint-Luc. On regardait le lion. Je dis des conneries, excusez-moi. Voilà le taureau. On regardait le lion de Saint-Marc. Oui, j'ai dit aussi. Et l'aigle de Jean. Qui ressemble un peu à une mouette, là, vu comme ça. C'est vrai qu'il a un bec de mouette. Je suis assez OK avec ça. Mais il ressemble à Lyon, ton taureau. Tu as raison, Lyon Curie. C'est vrai, Sarah. Mais il y a un décalage entre les deux écrans. Enfin, je suis en train de regarder deux trucs en même temps. Du coup, en fait, j'ai plein d'écrans devant les yeux pour essayer de vous faire un live à peu près correct. Et je regarde une image et il y en avait une autre d'affichée. Donc, je n'ai pas fait gaffe à ce que je faisais. Je suis désolé. Donc, je suis un peu plus concentré. Non, mais le lion était très beau aussi. Oui. Sarah qui reconnaît Didon et Aîné. je pense que c'est parce qu'elle a chanté dessus. Donc là, on est à Curgy, et c'est ce que cette petite église a proposé de très beau. Et des fois, vous pouvez effectivement faire beaucoup de chemin pour voir juste une petite chose, mais c'est un cadeau. Enfin, vous recevez ça comme un moment particulier quand il y a une toute petite chose que vous avez fait des kilomètres pour aller la chercher. Alors, il y a un caractère particulier aussi à cette construction, c'est tout marrant, simplement ça. On dirait qu'il danse. Mais tout à fait. Je crois que c'est une des choses les plus étonnantes de ce Saint-Mathieu, c'est ça. C'est exactement la réflexion qu'on s'est faite avec Agnès. Il danse parmi des végétations qui ont l'air de danser elles aussi. Donc il y a cette dimension qui est stupéfiante. Alors il y a des très beaux textes sur la danse des moines au Moyen-Âge. Si vous voulez, un de ces quatre, on pourra regarder ça ensemble. Mais les moines dansaient. Mais ce n'est pas un truc dont on parle beaucoup, la place de la danse dans la vie monacale. Mais ça, on a une. Comme les assidimes. Le goéland de Jean, dit Matsoud. C'est ça, le fameux goéland de Jean. Là, je voulais vous faire un petit zoom sur les drapés. Qui sont très intéressants. Parce que Oui, c'est assez. Comme quoi, c'est pas la Renaissance qui a inventé les drapés. Ah, pas du tout, non. Mais de toute façon, on est en plein dans une période. Quand on est au 12e, on est dans une période antiquisante. Il faut comprendre que c'est pas la Renaissance non plus qui va inventer la référence à l'Antiquité. Il y a plein de moments de l'histoire de l'art. Il y en a eu plein dans toute l'histoire du Moyen-Âge. Bien sûr. Enfin, comment dirais-je ? Qu'on appelle d'ailleurs parfois encore la Renaissance carolingienne, par exemple. Oui, bien sûr. Tout début du 9e siècle. Mm. La référence à l'antique, ça pleuvait. Enfin, je veux dire, on n'a plus vraiment on n'a presque plus d'architecture de l'époque. Non, parce que pour une raison simple, c'est qu'on a construit autour ou dessus. Il en reste. Oui. Hein. On a quelques architectures carolingiennes et ottoniennes.
C'est très, très intéressant très, très parce que ça nous permet de voir vraiment un long dégradé de forme hein, depuis la basilique constantinienne jusqu'à l'art roman, où on se rend compte qu'il y a un long fondu enchaîné de recherches architecturales. Et, la basilique, c'est quand même comment dirais-je, le bâtiment romain par excellence. C'était, ouais. C'était le cœur du forum. Mmh. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été choisi comme modèle par hasard, quoi. Alors, si j'ai insisté sur ce drapé, je vous explique pourquoi. C'est que parmi les liens auxquels on ne pense pas toujours forcément et spontanément dans la façon dont on regarde les images, parce qu'on a un peu créé une hiérarchie comme ça des formes dans laquelle la peinture et l'architecture, la sculpture sont un peu au-dessus, l'enluminure dans, excusez-moi le calembour pourri, mais dans les marges. Mais dans les faits, il y a une porosité constante entre ces domaines qui vont de l'un à l'autre continuellement. C'est-à-dire que l'histoire de l'art s'invente régulièrement dans les enluminures, avant de s'aboucher aux autres constructions. Et ici, on comprend très bien que la naissance de cette approche du drapé est peut-être moins sculpturale et moins picturale qu'elle n'est graphique, en fait. Et que la justification de cette organisation plastique se trouve peut-être dans l'usage de la plume et du calame. Parce que clairement, quand vous tracez des plis avec les outils de l'enlumineur, vous allez dans cette direction-là. Et pour maintenir une persistance comme ça aussi... dépourvu de nuances aussi et graphiques, eh bien, c'est là peut-être qu'il faut tourner notre regard vers les enluminures du 12e et voir comment c'est foutu. Leur statut était très très différent de toute façon au Moyen-Âge, qu'elles le sont devenues. Je soupçonne que, parce que à l'époque de l'Ars Nova, donc ce qu'on appelle le gothique maintenant, l'enluminure était regardée sur le territoire de l'Ars Nova comme on regarde un art majeur. Complètement. Oui. C'est vraiment. Je pense que son discrédit vient de là, justement. Parce que l'appellation gothique, qui contrairement à Roman, qui date du 19e siècle, un historien de l'art qui dit que c'est un art qui est à l'art antique, ce que les langues romanes sont à la langue romaine, d'où le nom. Donc c'est très très récent, mais l'appellation gothique, elle date de la Renaissance. Et elle était extrêmement péjorative. C'est un art de barbare, quoi, un art de brut pour eux. Vous connaissez un petit peu l'Ars Nova, vous savez qu'il n'y a rien de plus léché. Donc, appeler ça art de brut, c'est une idée, disons, très personnelle de la brutalité, quoi. Mais du coup, ça a créé un discrédit à cette époque-là, quoi. Et, d'ailleurs, les Italiens ne sont pas gênés pour faire de la place, hein. Virer des trucs gothiques pour construire des bâtiments à la place. Ou plus marrant, c'est à faire un coffre renaissant sur une église gothique aussi. je pense à une en particulier. Merde, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? En flûte, c'est pas grave. Alors, ce qu'on est en train de regarder ici, c'est très émouvant parce qu'on est probablement en train de regarder la genèse d'une restauration. Parce qu'évidemment, on associe ces œuvres du passé à la période à laquelle elles ont été produites, mais pour nous, amateurs d'art roman, des fois, elles sont très modernes au sens où elles viennent tout juste d'être mises à jour. Certaines fresques qu'on va visiter avec Agnès ont parfois moins de 10 ans. Et elles viennent juste d'être redécouvertes et c'est des moments d'émotion très intenses. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des petits coups qui sont donnés dans un des enduits et qui trahissent dessous la présence de fresques romanes. Ça veut dire qu'on met à jour par des petites cavités, comme ça, des petites fenêtres, la place qu'on attend avec impatience d'une éventuelle restauration qui va permettre de récupérer tôt ou tard tout ça. Donc ça a été gratouillé avec tendresse, on voit que c'est fragile, on voit déjà qu'il y a des couches qui ne vont pas être récupérables, mais qu'il y a une partie des pains qui vont l'être. Et ça, c'est touchant. Alors que ça, vous le savez sans doute, hein, les gens, mais le roman était très, très, très peint. Très, 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 très peint. On parlait lumière, tiens, avec Laurent, avant le début du live, rapidement. Ouais. Lumière et roman. Et bon, il me faisait remarquer que tout l'art roman n'était pas cistercien non plus. Mais il y a quand même un truc, c'est que ce qui contribue à les rendre sombres, c'est leur état aussi. Ça peut être ça, puis ça dépend aussi des parties prises. J'ai dit contribue, hein. Ouais.
crédit contribué. Ça dépend des parties prises, ça dépend des moyens, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que là, précisément, on est dans une région à question clunisienne. Donc la question clunisienne, c'est vraiment celle de l'arrivée de la lumière, d'une certaine grandeur dans les églises. C'est ça, comme on pourra le voir à Paray le Monial avec Agnès. Et là, ce qu'on suit comme sillage, précisément, c'est des séries d'églises dont certaines sont considérées comme clunisiennes par leur choix, par exemple Paray le Monial, Semur en Brionnais, Monceau-l'Étoile, Anzil-Duc, Vareil, ça c'est des églises dites de type clunisien, alors que celles de Charlieu, de Higuérande, de Bois-Sainte-Marie, Saint-Julien de Zionzy, La Clète, etc. C'est des lieux, au contraire, qu'on appelle plutôt du Brionnais, d'un art roman particulier au Brionnais, qui sont dans la même région, sur le même territoire, mais qui présentent des enjeux architecturaux très, très différents. Bah, on en revient à l'origine du nom, quoi. C'est un type au 19e siècle qui fait une analogie linguistique. C'est pas un mouvement, la Rome. Oui. C'est une périodisation. C'est ça. Il y a beaucoup de choses différentes. Donc on compose. Et quand on dit périodisation, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que quand on parle d'art contemporain, par exemple, on ne parle pas de tout l'art qui n'est pas maintenant. On ne parle pas du néo-impressionnisme des bords de Seine, par exemple. Mmh. À partir du moment où il y a une catégorisation, même si elle se veut chronologique, comme c'était le cas, comme ça pourrait être le cas avec l'art roman, elle commence à prendre, à se doter d'un set de caractéristiques, et du coup, il y a des endroits en France où on voit l'art roman survivre loin dans le XIIIe siècle, parce qu'on va retrouver des formes qui vont pas passer justement. Ils vont pas passer justement à l'Art Nova, mais qui vont rester sur les formes qu'on trouve entre le 11e et le 12e siècle, voilà, à l'époque dite romane. Et puis même à cette époque, c'est le paradoxe, c'est-à-dire c'est à la fois quelque chose de chronologique, et en même temps ça s'est doté de sens. À partir du moment où on en a fait une périodisation, ça a commencé à se doter de sens. L'arc clunisien est déjà dévoré par des ambitions qui vont jeter les bases de ce qu'on appellera l'art gothique. C'est-à-dire que le rapport de Cluny à la dimension, au montage consécutif comme ça des flancs pour les ouvrir à la lumière, pour avoir une grande élévation, c'est caractéristiquement ce qui va nous amener aux fondamentaux de ce qu'on appellera l'art gothique. Et mieux encore, en fait, ces églises sont quasi contemporaines. La basilique de Saint-Denis, elle est du 12e, donc à partir de là, vous vous dites, ah oui, merde, on est en train de périodiser, et même cette période, elle est beaucoup plus poreuse qu'on ne peut l'imaginer. Voilà. À San Zeno, à Verona, il y a c'est pas les Trino, non merde. Je connais bien San Zeno, et on parle de quoi? On parle d'un coffre renaissant construit sur un montage gothique, c'est ça? Parce qu'à San Zeno, il y a plein de couches. Hein. Il y a des portails ottoniens, si je me souviens bien, en bronze, qui sont assez déments. Donc, effectivement, il y a plein de couches. C'est une église assez stupéfiante et très, très riche. Merde, comment il s'appelle cet architecte Qui a fait quoi? Qui a fait ça. Qui a fait l'église à laquelle je pense, qui est effectivement à Vérone. À Vérone, ben, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on connaisse l'architecte de San Zeno, à ma connaissance. Non, c'est pas ça. Oh, j'ai eu de ça m'énerve. Donc là, on continue à regarder. Alors, ce qu'on regarde cette fois-ci, c'est plus le cul-de-four. C'est une des les deux petites absides latérales qui poursuivent les bas-côtés. Voilà, dans un montage assez classique d'un plan comme ça à trois nefs. En tout cas, une nef et deux bas-côtés. Il peut y avoir deux cul-de-four de part et d'autre. Et là, c'est une autre partie où on observe des anges. Si ça vous intéresse, les rapports entre l'art espagnol et l'art bourguignon, il y a une historienne qui a travaillé sur les liens comme ça entre l'art catalan et puis les artistes du coin, entre l'église qui est là, et puis mais aussi par exemple celle de Gourdon, qu'on va visiter peut-être même aujourd'hui hein, d'ailleurs. Et elle a fait une étude sur là-dessus, elle s'appelle Juliette Rollier-Hanselmann. Donc je vous file son nom, en espérant pas me planter dans la hiérarchie. C'est Palestrina, pardon.
Et c'est pas un architecte, c'est un musicien. Palestrina. Mantegna, c'est le grand retable qui est dedans, Raph, effectivement. Mais c'est le retable qui est à San Zeno, qui est un très très beau retable, qui est pas entièrement à San Zeno d'ailleurs, parce que la près d'elle, elle est au musée de Tours. Je sais, parce qu'on a dû traquer les deux dans le même séjour. On est passé de. On a été à Vérone et hop, on a été voir à Tours dans la foulée, la près d'elle, pour avoir les deux en tête. Ah, pardon, donc, mais vivement que je puisse enfin, après plus de 3 ans, sortir ma bibliothèque de mes cartons. Donc là, je vous montre d'autres fresques malencontreuses qui apparaissent dans beaucoup d'églises qu'on visite et qui mettent en danger ces églises. Et on n'a pas l'image forcément de la Bourgogne comme d'une zone pluvieuse, mais en fait, c'est une zone très, très humide. Et les églises sont souvent flanquées de ce genre de fresques-là, les gens. Et ça, c'est la merde. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Et oui, hélas. Disons, c'est pas le meilleur qui est produit la Raftrack. Bah, c'est pas mal, il y a une certaine qualité de gris et de vert. Oui, c'est beau, mais bon, vous imaginez que... quelque chose de très évocatoire, d'un peu fantomatique, voire quelque... Il y avait presque un visage démoniaque qui se dégageait de... Si, il y avait, on voyait des yeux et des cornes. Voilà le truc dont je vous parlais, l'abside, donc qui a pourtant un plan au sol, a priori semi-circulaire, elle est prise dans une maçonnerie rectangulaire, donc on la voit pas ici, on ne peut pas la lire du côté cimetière. Voilà. Ça, c'est la jolie petite église de Curgy, et ben voilà pour Curgy. On va pouvoir aller ailleurs, les gens. C'est pas formidable, ça? Alors, je vais vous emmener à Mont-Soleil-Étoile. Alors, c'est où sur le plan? Je crois que c'est sur un autre plan. Un architecte renaissant italien qui a officié autour de Vérone, dont le nom commence par Pa. Par Pa. Pas quelque chose. D'accord, pas quelque chose. Il n'est pas quelque chose. Ça va me squatter le cortex. C'est pas du tout important, mais c'est juste pour m'en débarrasser. C'est pas très grave. En tout cas, c'est juste pour m'en débarrasser. Tu je peux pas t'aider. J'ai pas d'architecte de la Renaissance en tête qui commence par pas, qui me vienne là. Voilà, je suis vraiment désolé. J'ai que Brunelleschi qui prend toute la place et ça n'a aucun rapport. Pas du tout lui. Bah ça commence par pas, donc c'est pas Brunelleschi, donc. C'est bien ça que tu voulais savoir. Oui, c'est pas Brunelleschi. Ah bah voilà, on avance. Donc, on va faire un petit saut, cette fois-ci à Mont-Soleil-Étoile. Alors on va essayer de regarder où c'est sur le plan, bien qu'il se refuse à s'y mettre, c'est pas grave. Je vais rajouter ici... une destination, parce que je vois qu'on ne veut pas me le montrer, comme ça que vous allez voir où c'est. Il y a un de mes parcours qui visiblement... voilà, alors Monceau est où? Et c'est là, voilà. C'est ici. Donc, vous avez repéré Paray-le-Monial. Donc, Paray-le-Monial, comme je vous l'ai dit, est dans l'axe nord-sud, sous Autun, à peu près à 80 bornes. Donc, vous descendez vers le sud, vous avez Paray-le-Monial. Et c'est sous Paray-le-Monial que vous avez un merveilleux circuit comme ça, qui vous permet de voir quelques dizaines d'églises sublimes dans tout le coin. Donc Monceau est là, plutôt vers l'ouest, voilà, sur ce parcours. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de Monceau, rapidement? Alors voilà la structure générale de Mont-Soleil-Étoile. Alors là, vous avez cette pierre démoniaque, sublime, qui est caractéristique de ce qu'on peut trouver dans la région. Une pierre de Bourgogne, je crois qu'on appelle cette pierre la pierre en troc, c'est-à-dire c'est des résidus, si je me souviens bien, des résidus fossiles qui donnent cette couleur particulière à la pierre de Bourgogne. Et ça lui donne la possibilité d'aller dans des variations chromatiques assez riches. Oui, Gaël. Ok, j'ai trouvé. Tu as trouvé. C'est Palladio. Ah, Palladio, c'est plus tardif. Hein. Et c'est la seconde Renaissance. Ouais, c'est ça, c'est vraiment en période maniériste. C'est Palladio.
Et c'est pas Vérone, c'est à Vicence. Ah oui, bah, c'est vrai, Palladio, hein, qui a fait des choses assez remarquables à Venise. Ouais, qui va rénover complètement le truc et qui va amener ça, hein, cette espèce de structure symétrique, obsessionnelle, assez géniale. On a l'impression qu'il fait exister tout un monde d'abstraction en architecture. C'est très beau, Palladio, effectivement. Moi, c'est magnifique. Je l'avais pas en tête, le coco. Avec ce que je disais tout à l'heure, on pourrait penser que j'aime pas la Renaissance, quoi. Mais non. Ça veut rien dire, pas aimer la Renaissance. Bah non. Non, parce que je disais oui, la Renaissance qui crachait sur l'Art Nova. Bah oui. J'aime pas la Renaissance quand elle crache sur l'Art Nova. J'aime beaucoup la Renaissance quand elle fait ses trucs de Renaissance. Surtout à la période de la deuxième Renaissance, j'ai une passion pour le maniérisme. C'est Samu Sasa qui a trouvé Palladio. Bravo, Samu Sasa. Non, c'est. Ah bon? Non, bah oui, j'ai l'impression. Ah, mais j'avais trouvé tout seul, mais, mais ça a trouvé dans le chat aussi. D'accord, ouais. Ok. Donc là, on est en train de regarder la jolie petite église de. Bah merci les gens. De Mont-sur-l'Étoile. Alors, je vous file un petit lien vers un site qui n'est pas inintéressant. Comme ça, on va pouvoir. Des fois se référer à des travaux que des gens ont fait en ligne qui peuvent être chouettes. Là, c'est le site Bourgogne-Romane, dont je vous ai déjà causé, qui est plutôt très intéressant. Bourgogne médiévale, celui-là. Ouais. Et à chaque fois, vous avez un petit descriptif assez précis sur l'histoire de telle ou telle église. Vous allez retrouver des constantes. Là, vous voyez, par exemple, ce que vous regardez sur le plan, le clocher renvoie à quelque chose qu'on vient déjà de voir sur la construction du clocher de Curgy, à quelques détails près, où on commençait à avoir des motifs, des structures architecturales récurrentes. Hein. Donc, je vous encourage à aller voir ce site. Donc, nous, on retourne à nos photos. Donc Mont-sur-l'Étoile, les patrons là, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est aussi une église du 12e. Je vous fais pas l'affront de vous rappeler qui sont Saint-Pierre et Saint-Paul, à moins que Gaël veuille vous faire l'affront de vous dire qui sont Saint-Pierre et Saint-Paul, ce qui me permettrait d'aller pisser. Et pourquoi on les associe tous les deux, église de chair et l'église de terre, de pierre et l'église de verbe. Zut, moi je suis en train de manger mon dessert. Ça tombe hyper mal, j'ai la bouche pleine. Comment dire? Bah, Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est probablement les deux évangélistes les plus importants pour les chrétiens de l'époque. Et surtout Paul, en fait, ce qui est paradoxal, puisqu'il ne fait pas partie, j'ai dit évangéliste, apôtre. Bon sang. Ce qui est paradoxal parce qu'il faisait pas partie des apôtres à la base. C'est le type qui a symboliquement remplacé Judas dans le petit cœur tout mou des chrétiens après qu'il commence à prendre de l'ampleur. Pierre, lui, c'était un peu le doyen des apôtres. C'est celui sur lequel le Christ avait dit qu'il bâtirait son église. Le jeu de mots marche en hébreu, il marche en latin, il marche en français, ça tombe bien. C'est lui qui, dans la légende chrétienne, garde à les clés du paradis. Donc c'est lui qui décide qui rentre, qui rentre pas, quoi. Paul, c'est. Le type qui a organisé tout ce bordel, quoi, et qui a constitué le christianisme comme une religion à part. Bon, en tout cas, c'est l'image qui nous en reste après sa découverte par Marcion, la découverte de ses épîtres par Marcion au IIe siècle. Si vous regardez les évangiles, le Paul Paul est le personnage principal des Actes des Apôtres. Il est pratiquement question que de lui. Mais c'est un Paul très très différent de celui des Épîtres. C'est un Paul juif, en fait, en gros. Mais c'est un Paul qui est le champion des Juifs qui parlent pas hébreu ou araméen, qui sont gréquisés ou latinisés et qui ne peuvent pas lire le texte. Voilà. Donc il se fait le champion de ça. Ça, c'est le Paul des Actes des Apôtres.
Le Paul des épîtres, donc des lettres, par contre, c'est vraiment un Paul organisateur d'une nouvelle foi, quoi. Et qui va voir aussi l'intérêt à placer le christianisme comme une possible, alors ça va pas se faire tout de suite, hein, mais comme une possible religion garante de l'unité de l'Empire romain, quoi. Et le fait est que ça colle plus ou moins, ça colle à ce concept du personnage, parce que c'est à la fois un noble juif et un citoyen romain. Qu'il est connu pour avoir pendant très longtemps persécuté les chrétiens, jusqu'à ce que un jour où il allait à Damas tranquillement, il demandait rien à personne, il était là sur son âne et paf, le Christ lui apparaît, lui fait boum, il tombe de son âne. C'est un cheval, hein. Il était sur un cheval. Ouais. Lui, il était probablement sur un cheval, c'était un meuble. J'aime dire. Non, mais vraiment, hein. Mais en fait, tu l'aimes pas, je sais que tu l'aimes pas. C'est pour ça que tu l'as foutu sur un âne. Ça dépend. Alors, oui, c'est ça. Alors, dans l'iconographie, on a l'habitude de les associer, tout simplement, ils sont très complémentaires. L'un représente plus ou moins le verbe, c'est-à-dire que Paul, c'est l'image même de la parole, du prosélytisme, du verbe qui va partout se répandre, la parole et le texte. Et Pierre, c'est évidemment la construction institutionnelle de l'Église, c'est ça. C'est l'institution ecclésiale. Donc, évidemment, c'est de là, côte à côte, l'important, son glaive, Paul, ouais, et l'autre, sa clé, construisent ensemble, ouais, hein, l'image bifide de ce christianisme. Alors c'est là, et de son hégémonie. C'est là où on voit l'interpénétration des symboles ou des réalités historiques qui se transforment en symboles. Par exemple, quand le glaive est associé depuis très longtemps à la parole, il y a un terme hébreu, j'ai oublié lequel, mais toi... Eref pifiot. Voilà. Le glaive a deux tranchants. Ah, c'est voilà. Ça. Pour parler du verbe qui va trancher, en fait, entre le vrai, le juste et l'injuste, le pur et l'impur, le vrai et le faux. Bon. Si Paul est aussi facilement associé au glaive, c'est d'abord et avant tout parce que, en tant que citoyen romain et noble, quand il a été condamné à mort, il était hors de question de le crucifier, c'était une punition pour esclave. Donc il a été décapité avec une épée, avec un glaive. Donc c'est la première association. Mais évidemment, à partir de là, le truc avec les symboles, c'est que c'est pour eux, en fait. Ça garde pas la flotte. ça s'interpénètre tout le temps. Et comme, effectivement, Pierre est connu comme le grand organisateur de la pensée chrétienne. Les épîtres, c'est vraiment... Donc, il organise Paul. Aussi énormément les... comment ? Paul, t'as dit Pierre. J'ai dit Pierre. Non, oui, Paul. T'as dit Pierre, mais c'est Paul. Oui, j'étais toujours sur Paul. Moi, il est sur Paul. T'as dit Pierre, mais c'est Paul. On sait que c'est Paul, mais oui, il est sur Paul. Ouais. Paul est sur un âne, et puis Gaël est sur Paul. On n'a pas l'épître de Pierre, de toute façon. Qui fut crucifié, lui, par ailleurs. Oui, bah lui, il n'était pas... pas noble et citoyen romain, lui. Non, mais la tête il en a, bas. Il a demandé à être crucifié la tête en bas, parce qu'il s'est jugé indigne d'être crucifié. Exactement. J'aimais bien, quand j'étais plus jeune, je faisais chier les satanistes en leur demandant pourquoi ils portaient des croix de Saint-Pierre, qui bah oui. Le fait que ce sont des symboles chrétiens, c'est en plus des symboles d'humilité. Alors là, je ne comprenais pas du tout. Oui, c'est bizarre quand même. Ils sont bizarres, ces satanistes. Bah oui. Oui. Un petit détail, remarquez un truc, on vous a habitué avec d'autres lives sur d'autres régions du roman à observer des modillons sculptés. Vous noterez que dans cette région, notamment quand vous êtes sur des églises d'inspiration nettement clunisienne, il n'est pas rare qu'à la place on ait des corbeaux. Donc ceci, ces pièces-là, pour soutenir les corniches, d'une grande simplicité. Donc adieu les beaux modillons grimaçants et les choses comme ça. Plutôt ce genre de choses-là, extrêmement rustiques. Ces petits corbeaux. Là, c'est plus antiquisant. On est plus dans une corniche à la grecque, quoi. Enfin quelque chose de très simple. Salut, my name is Medos. Donc là, on va approcher de cette église de Monceau l'Étoile. Donc l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Maintenant, vous savez tout. Donc c'est une église typique
De cette région, du Brionnais, avec cette extraordinaire pierre calcaire qui prend tes couleurs bichromes entre le jaune et le rouge, qui ont été utilisées beaucoup dans ce coin. Donc, c'est une roche qui a été utilisée parce qu'elle est assez simple à utiliser pour la sculpture. C'est une roche plutôt tendre. Alors, c'est aussi ce qui, avec le temps, tu peux l'imaginer, elle la rend assez soumise à l'érosion. C'est le truc, en fait, c'est que quand une roche est tendre, elle a tendance à... Voilà. Elle a tendance à s'éroder beaucoup plus vite. Alors. C'est pas pour rien que, quand on parle de dolmen, même ni, on pense immédiatement à la Bretagne, c'est là où on les a pu chercher, c'est là où ils étaient faits en granit. Donc, c'est pour ça que la sculpture n'y est pas très très fine, par exemple. Voilà. On peut pas dire. Du coup, c'était pas fin. Il y a des menhirs magnifiques dans le sud-ouest de la France, en particulier. Superbe. C'est ça. Vers la Suisse aussi, vers la Savoie et la Suisse. Mais en Bretagne, le boulot que ça aurait été de faire ça, ça aurait pas été possible, quoi. Donc on faisait un truc lisse. Ça devait être très beau, hein, quand même, parce que vous imaginez que c'était quand même complètement lissé. Ça devait briller de mille feux. De mille feux. Mais c'est pas. Enfin, c'est. On est plus du côté Max Bill de la sculpture, vous voyez. Alors ici, la sculpture peut être très fine, mais elle a été souvent beaucoup endommagée par les guerres de religion et un peu érodée par le temps. Enfin bref, elle a pris parfois un peu cher. Alors, ce qu'il y a les guerres de religion, c'est vrai. Oui, ça a pas mal démonté c'est les... C'est qu'il y ait des choses qui aient survécu. Quoi. C'est vrai. Donc à Monceau-l'Étoile, alors, je vais vous dire rapidement ce qu'on va voir. Le protestant tend à être iconoclaste. Oui, je vous dis rapidement ce qu'on va trouver de joli ici. Donc il y a ce portail qui est très très beau, il y a donc ce tympan qui est assez beau et son linteau dont on va pouvoir parler un petit peu, qu'on a la particularité d'être taillé dans un monolithe, donc c'est une seule grosse pierre sculptée à cet endroit-là. Ouais. Impressionnant du coup. La plupart de l'église est romane, enfin la neflet, le curlet, il y a quelques parties de l'abside et le clocher et roman la voûte a été refaite au 19e, donc elle a pris la restauration puisque tout simplement c'était sans doute nécessaire, elle devait avoir tendance à s'effondrer un petit peu. Et je rajoute qu'on a, vous allez le voir, redécouvert des fresques. À l'intérieur, des fresques plus tardives qui ont été peintes au XVIe siècle, mais qui ne sont pas du tout sans intérêt. Donc on va essayer d'observer... En tout cas, là, franchement, pour un haut relief d'un seul bloc sur une pierre très, très tendre, ouais. Je trouve que ça a quand même vachement bien survécu. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais. On va essayer de lire... Surtout que c'est quand même du haut relief, c'est hyper fragile, quoi. Oui. Alors, vous avez un linteau ici, donc on va regarder dans les tailles. Donc, cette partie qui d'habitude est séparée, c'est une partie de soutien, vous voyez, au-dessus d'une porte. Le linteau est généralement constitué d'une grosse pierre isolée. Là, c'est pas le cas. Tout cet ensemble est taillé dans une seule pierre. Il y a 14 personnages, donc vous avez les 12 apôtres et la Vierge et un ange. Donc, on les verra de plus près tout à l'heure et j'ai pris quelques zooms ici. On parlait de Saint-Pierre, il est facile à reconnaître puisqu'ici, vous verrez, il a sa clé gigantesque. C'est lui qui a les clés du royaume. Oui. C'est le portier, en fait. C'est le portier. Vous avez deux chapiteaux qui sont également historiés. Vous avez à droite, si je me souviens bien, vous avez un ange qui est accompagné de Jean l'Évangéliste qu'on voit ici. Donc on reconnaît son attribut, ses attributs habituels. Il a un livre certes, mais à aigle, vous verrez ça en plus petit quand on va se rapprocher, un calice, parce que il est censé avoir avalé on a tenté de l'empoisonner et donc le petit dragon qui sort du calice qu'il porte en généralement symbolise ou un petit serpent ou un petit dragon, le poison. C'est un des miracles de Jean, le miracle du poison. Il y a un chaudron d'huile bouillante dont je me souviens qui fait partie de... puisqu'il a été... C'est la martyrologie, oui. Ouais, c'est ça. Alors, c'est assez marrant. C'est typique, ça. Hein. Mais ce qui n'est pas typique du tout, par contre, c'est qu'il en ressort sain et sauf. C'est un des rares saints qui survit à son martyr. Il est régénéré à la sortie du chaudron d'huile ou d'eau bouillante, je ne me souviens pas. C'est pas lui qui dit que ce n'est pas assez chaud?
Non, c'est Saint-Laurent, c'est le tien. C'est ça, Saint-Laurent. C'est celui qui se fait griller et qui dit ouais, bon, il faudrait me retourner à un moment donné parce que sinon je vais être saisi d'un seul côté. C'est ça, c'est un martyr romain plutôt du deuxième, début troisième siècle. Déjà, alors Jean, c'est sous Domitien, il a été enchaîné, il a été condamné à plonger dans un chaudron, et il est ressorti. Alors là où c'est étrange, c'est qu'il est régénéré par le chaudron, et il retrouve sa virginité. Voilà. Donc c'est voilà, ça fait partie des attributs qu'on va trouver généralement avec Saint Jean. Les chrétiens et leur virginité là. Oui, c'est un peu une obsession. Donc là, on va pouvoir se rapprocher, regarder un peu de la sculpture assez belle. Donc vous avez un truc qu'on va beaucoup trouver. Après le côté régénérescence, c'est quand même assez con. Hein. En plus, si qu'elle a les yeux qui repoussent encore plus beaux, enfin, parce qu'elle a les yeux qui repoussent, hein, Lucie. On lui enlève et il repousse plus joli. Alors là, le Christ en gloire est debout. Il est, comme on peut le voir, dans une tradition antérieure au Christ juge. C'est pas un Christ du jugement. Il a les bras ouverts, hein, comme un orang. Donc c'est une autre figure de Christ que le Christ juge que vous avez l'habitude de voir au tampon, surtout des églises plus tardives. Il est encadré autour de sa mandorle de deux anges qui le présentent. Cette espèce de construction-là est extrêmement fréquente dans cette région. Ah oui, t'as raison, c'est une position d'orang avec les paumes vers le haut. C'est courant dans ce coin-là. Et la sculpture, on va se rapprocher carrément puisque la photo le permet. Ouais, ça a quand même super bien survécu. Donc c'est un linteau du 12e. Hein. Voilà la puissance aussi expressive en fait de toutes ces figures qui jouent une espèce de foule assez bigarrée finalement et avec une vraie autonomie des figures. Hein. Et vous voyez, si elle bouge, que je tenterai pas, Suze. C'est un peu risqué. Donc c'est chaud si tu les nucléer et que ça repousse pas après, c'est un peu. Alors très caractéristiquement, une chose que vous allez voir sur beaucoup, plutôt des chapiteaux historiés, mais parfois ça peut figurer à d'autres endroits du tympan, ça peut être sur les pieds droits. Alors ce qu'on appelle les pieds droits, c'est les parties supérieures qui soutiennent la voûte hein, de part et d'autre d'un arc, par exemple, d'un portail, etc. Donc ça, on est assez typiquement dans les plus ou moins figuration de la lutte contre le bien et le mal. Alors après, les figures du mal et du bien peuvent se trouver différemment réparties. On peut trouver, par exemple, des figures de mort ou de sarrasin. Alors voilà cette figure ici. Là, c'est un démon qui a été choisi. Donc c'est donc l'archange Michel sur un des chapiteaux et ici juste une sorte de métaphore du bien. Les deux cohabitent. L'archange Saint-Michel, c'est quand même le seul ange à être un saint en même temps, c'est pas rien. Alors, Aurélie demande si on grattait, est-ce que ça s'effriterait la pierre? Pas complètement, mais franchement, il faut pas grand-chose hein, pour la foutre en l'air. Et là, ma première vision pendant ce séjour, et j'étais très heureux de la voir, parce que, alors, parmi les motifs récurrents, de la roman, vous avez la sirène, évidemment. On a déjà parlé ensemble des sirènes, mais la plupart des sirènes auxquelles on s'était confronté jusque-là dans nos visites dans d'autres régions de France, notamment en Auvergne, quand on s'est baladé à Mozac, dans toute la région du roman auvergnat avec les gens du Gaume, c'était des sirènes de type plus ou moins nordique. Quoi. Donc là, c'est une sirène sous sa forme antique, exactement, la sirène grecque, la sirène antique, donc en grec sirène, c'est une femme oiseau. Alors évidemment, il y a une espèce d'ambiguïté, de paradoxe dans sa nature, parce que c'est une femme oiseau, mais même pour les Grecs, c'est une créature de la mer qui vit sur des rochers. Alors, comme beaucoup d'oiseaux. Oui, le goéland vit surtout sur des décharges. Ouais. Bah, en même temps, si tu te souviens bien, dans beaucoup de versions, dans beaucoup de manières qu'on a de raconter la rencontre du lycée de la sirène, il est quand même vachement question de leur guano aux sirènes. Mm. Donc, c'est.
L'aspect vie sur une décharge n'est pas totalement absent. Bon, a priori, enfin, la sirène dans la tradition grecque, c'est plutôt une créature dangereuse qui est plutôt associée au monde des morts. Alors, il existe des femmes poissons chez les Grecs, mais qui sont beaucoup plus pacifiques, hein, c'est les tritones. Et puis il y a une autre figure évidemment antique de femmes poissons monstrueuses qu'on peut trouver par exemple chez Ovide, qui est plutôt très dangereuse et d'un aspect beaucoup plus effrayant que la sirène nordique, c'est Scylla. Donc il y a Charybde et Scylla, mais je pense que vous connaissez ça. Alors du coup, notre... les amants tragiques. La question est de savoir comment la sirène, la femme oiseau, va pénétrer le monde chrétien à un certain moment, comment la sirène va rentrer dans ce monde chrétien. Et ce qu'on suppose, enfin, je crois que c'est un certain Mouillebouche, c'est vraiment un nom fascinant, qui suppose ça, c'est un historien, il suppose que c'est une traduction hasardeuse dans la Septante, des passages qui décrivent un univers, un monde de désolation. Dans la tradition hébraïque, quand on parle d'un monde de désolation, on décrit comme animaux plutôt des chacals et des autruches, c'est des animaux considérés comme assez malfaisants, en tout cas dans les représentations. Quand vous trouvez des contrées hostiles et des articles décrites dans la Première Alliance, c'est plutôt des chacals, des autruches. Et il y a un des deux termes qui aurait été traduit dans la Septante par le terme grec de sirène. Et dans sa Vulgate, Jérôme, il va conserver, donc la Vulgate, c'est la traduction de Saint Jérôme depuis la Septante, et il va conserver le grec, le choix de l'animal grec en incluant la sirène, sirena, en latin, à l'intérieur de son passage d'Isaïe, donc qui est un des prophètes, Isaïe. Donc, on va retrouver cette espèce de sirène christianisée ensuite dans un bouquin qui est hyper important, et je vous ai déjà rebattu les oreilles avec ce bouquin, c'est le Physiologus. Donc, le Physiologus, c'est un livre clé qui va ouvrir l'histoire des représentations des bestiaires. Je ne vais pas vous raconter ça pour la millième fois, mais si vous voulez, renvoyez-vous plutôt pour le Physiologus et pour la plupart des bouquins dont je vous ai déjà parlé, je vais plutôt vous renvoyer à des lives antérieurs. Vous irez voir ça en... Dites-vous juste que c'est un livre fondamental pour la construction des bestiaires dans l'histoire des figures peintes, sculptées pour les siècles qui vont suivre. Et ce serait par là qu'elle entrerait, par cette porte-là, dans les bestiaires latins suivants, après le Physiologus. Bon, jusque-là, elle a conservé ce corps que vous lui voyez, son corps d'oiseau. Et ce corps d'oiseau, ça va se perpétuer. Donc là, on est à l'articulation. Hein, dans des représentations, par exemple, mérovingienne ou carolingienne, c'est encore une sirène grecque, a priori, femme oiseau, et la plupart du temps, sous cette forme. Mais il y a des manuscrits, quelques-uns, hein, quand même très peu, mais il y en a, où la confusion avec une tritone a entraîné des représentations, alors qu'elles sont rares au début, mais en femme poisson. Et en fait, maintenant, pour la plupart des gens. Comment ? Oui, désormais, c'est un peu entré comme ça, mais bon, il faut dire aussi que la cohabitation entre les mondes nordiques et chrétiens est constante. Enfin, je vous parlais de l'Espagne visigothe, donc de toute façon, il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus pour eux. L'Italie elle-même, on a déjà parlé ensemble de Ravenne, enfin bref, les nordiques ont fécondé énormément l'iconographie. Les symboles, les représentations, c'est toujours pour eux, de toute façon. Oui. Oui, tu le disais à l'instant, complètement. D'un seul coup, on commence à représenter Diane avec les attributs de la Lune. Mmh. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans la mythologie traditionnelle grecque, ouais. de la grecque antique. Artémis et Sélénée sont plutôt Artémis et Sélénée sont deux déesses distinctes. Quoi. C'est ça, ouais, complètement. Et puis je crois que c'est autour du XVIe siècle qu'on se met à représenter Diane avec les attributs de la lune, quoi. Mais l'association fait sens aussi dans une certaine mesure, comme elle est associée à un frangin en particulier qui est Apollon, qui est un dieu solaire. Voilà. En faire le miroir et donc la lune de son soleil, ça fait sens. Il y a plusieurs raisons qui font que ça va s'interpénétrer. Mais ça s'interpénètre tout le temps. Et à la fin, on a un truc bien compliqué et bien rigolo à démêler. Quoi. Voilà. Je pense la sirène en est un bon exemple aussi.
pour la question que pose Tréga, c'est plutôt des circonstances de récit qui font qu'entre une harpie, une sirène oiseau ou une strige, on a affaire à une autre créature. C'est-à-dire que de notre point de vue, c'est des femmes oiseaux, donc c'est pas forcément distinct, mais en fait, c'est le récit, les conditions du récit et donc le cadre dans lequel la créature apparaît qui va, avec certitude, pour nous faire la différence. Mais c'est sûr que formellement, comme ça, comme monstruosité, c'est-à-dire comme assemblage, en fait, oui, la différence, elle n'est pas criante, on va dire. Bon, on trouve en tout cas, sachez-le, la première description écrite d'une sirène à queue de poisson, puisqu'il est question de savoir ça. Parce qu'on va pas, je ne vais pas croiser beaucoup de sirènes oiseaux dans mes promenades romanes. J'en ai croisé deux, j'étais déjà heureux d'en voir deux. Donc vous verrez que la plupart de celles qu'on verra ont des queues de poisson. Et c'est dans un bestiaire du 7e siècle qu'on trouve ça. C'est dans Des Monstres, donc des monstres. Hein, et c'est une espèce de compilation qui est plutôt née dans le cadre de la littérature de la Bretagne anglo-saxonne, donc avec un fort composant nordique, évidemment. Le Des Monstres, qu'on appelle aussi le Liber Monstrorum, il parle d'une créature. Alors là, on est vraiment complètement dans le monde nordique. C'est Igelac. En vieux français, c'est Clochilaïc. Donc c'est l'oncle maternel de Beowulf et il se bat contre des ennemis, des ennemis Edvard et des créatures fabuleuses. Et la confusion entre les tritons, les créatures qui vont causer la perte des marins, elle est fréquente dans la culture germanico-scandinave. Donc, du coup, les ondines, les mermaids, tu vois, elles enjolent aussi par leur chant les marins. C'est moins une confusion qu'une association. Mais c'est complètement ça. Parce qu'elles font exactement ce que faisaient les Romains quand ils arrivaient quelque part, qui trouvaient des dieux qui ne portaient pas les mêmes noms. Ils disaient, ouais, non, mais ça, je connais ça. Lui, la lugue, là, c'est Apollon. Oui, c'est ça. Ce genre d'association, c'est... Bah là, elle tombe. On rapporte toujours à ce qu'on connaît, quoi. Voilà. Ah bah elle coule plutôt de source. La raison pour laquelle je réponds, que je dis que c'est... Sinon, j'ai quand même vérifié un truc, mais ouais. J'ai pas trouvé d'association des striges à la mer. D'accord. Ouais. Et la question que pose Tréga, c'est tout simplement parce que les bases iconographiques qui vont servir pour tous ces artistes romans ne proposent pas une infinité, si tu veux, de configurations. Donc, en gros, il y a des configurations qui sont attestées, comme le griffon, comme la sirène, tu vois, Manticore. Donc, on les connaît. Elles sont nommées dans les bouquins, notamment ce fameux Physiologus. Ce qui nous permet assez simplement de savoir à quoi on a affaire, c'est tout simplement quels sont les cadres textuels de référence dont sont environnés les artistes qui produisent les figures. Voilà, ça répond, j'espère, à ta question. Donc oui, il y a toujours eu un usage très très important du texte par les artistes, en particulier dans le cadre de l'art sacré. Mais complètement. Un peintre du 15e siècle, il connaît son origine par cœur, quoi. Enfin, oui. En tout cas le passage qui concerne la vie du saint dont il est en train de peindre. Comme il y avait des catalogues d'iconologie d'ailleurs, d'iconologie de Cesare Ripa. Des catalogues de formes. J'ai souvent parlé du moine Théophile, Diversibus Artus. Il y a toute une série de propositions pour les peintres. Dans Pictor in Carmine, qui est plus tardif, qui est plutôt au 13e, si je me souviens bien, on est vraiment dans le catalogue de figures qui sont destinées aux artistes. Ouais. Je parlais de Ripa, je crois que Cesare Ripa, c'est le 15e ou c'est peut-être même début 16e. Ça continue comme ça. Il y a toujours eu une forte inspiration textuelle chez les peintres, en particulier dans un art aussi codifié que l'art sacré. Complètement. Donc bon, cette histoire de mermaid, etc., on pouvait imaginer que c'est l'influence de ces mythes nordiques. Il y en a plein. Il y a Liban, la femme poisson. Il y a l'épopée des deux porchers aussi. Alors, c'est assez passionnant, mais je vais vous épargner l'épopée des deux porchers, parce que on va pas rentrer dans les détails. En tout cas, quoi qu'il en soit... avant de conquérir ce beau petit corps de poisson, la sirène, elle a déjà une place très importante dans la littérature merveilleuse du Moyen-Âge, dans les bestiaires. Et il ne fait aucun doute pour les gens du Moyen-Âge que ces créatures existent. Hein. Elles sont traitées, je dirais, avec le même sérieux, la même attention que les autres bêtes qui sont décrites. On la trouve aussi dans des textes moraux, où elle va plutôt incarner, c'est facile, parce que là, on est en train de vous parler d'Ulysse, vous pouvez l'imaginer, elle incarne facilement la tentation. Ce qui est marrant, c'est de se dire qu'elle a cette place-là, à ce moment-là,
alors que tout simplement nos artistes n'ont pas accès aux textes. Les textes grecs, à ce moment-là, ils ne les ont pas entre les mains. Il faudra attendre la réhellénisation par le passage des Arabes en Europe, des bibliothèques, pour découvrir à nouveau les textes fondateurs duquel ces créatures sont issues. Donc on les a de loin en loin, à travers des passages comme ça, d'un endroit à un autre, de la description des ouvrages. Et c'est commencé à partir du XIe siècle à peu près, que la sirène poisson commence assez intensément à être représentée, et notamment sur les chapiteaux. En Bourgogne, par exemple, puisque là on est en Bourgogne, il y en a une bonne cinquantaine, rien que dans ce coin-là. Vous en avez, on verra tout à l'heure, à Percy-les-Forges, à Jean-Ville-Duc, à Souvigny, à Cluny, à Paray-le-Monial, et ça va jusqu'à Vézelay. Donc vous trouvez ça sur des monuments, sur les églises, vous trouvez ça dans des manuscrits, il y en a plein dans les manuscrits aussi, et le thème, il va aller et venir comme ça, avec plus ou moins d'intensité, selon les périodes. Il y a des périodes où il y a des pauses, on ne fait plus de sirènes, parce que ça fait chier tout le monde, il y en a plein le cul, et puis hop, à la période gothique, ça reprend, voilà, ça recommence à intéresser des gens, on en voit à nouveau dans les enluminures, et puis etc., etc. Dans des périodes antiquisantes, on va réappuyer sur leur caractère antique, leur caractère grec, quoi. Ouais. Pour les gens qui seraient tentés de sombrer dans le « ouais, les gens à l'époque, ils étaient quand même cons, pensaient que les sirènes existaient, tout ça. Penser que le narval existe, penser que l'ornithorynque existe. C'est-à-dire quand on voit l'extrême variété du vivant, voilà. Oui. Et qu'on n'a pas une vision très très claire de comment fonctionne la reproduction aussi. C'est vrai. Je sais plus comment il s'appelle. Le grand ouvrage de thératologie français du 19e siècle. Il parlait d'une anecdote où il y avait un sceptique antique qui était invité chez un aristocrate grec. Et puis, à un moment donné, il y a un des serviteurs du dit aristocrate qui dit vous voyez ça, il y a un centaure qui vient de naître à l'écurie. Et tout le monde se précipite, sauf le sceptique. Et l'auteur du livre de thératologie dont je parlais, il dit oui, il se précipite, c'est un sceptique, quoi. Mais le truc, c'est pas qu'il croit pas que c'est possible, il voit pas en quoi c'est un événement. Oui, ça peut arriver, je veux dire. On va pas chier une pendule, un centaure. Voilà. On a tous déjà vu ça, une fois ou d'autre dans notre vie. Voilà. Il n'y a pas de quoi chier une pendule, quoi. C'est curieux pour nous, quoi. C'est curieux pour nous, mais encore une fois, je sais pas. À chaque fois, je pense à Marco Polo qui salut Namibie, qui croise les licornes pendant son voyage, et qui d'ailleurs est très déçu. Il trouve ça beaucoup plus massif. Il voyait ça plus aérien, plus fringant. C'est sûr que le rhinocéros, c'est très décevant quand t'as vu autre chose. Ouais. Comme licorne, c'est... C'était donc ça, mais c'est moche, en fait, ça. C'est on parle souvent, ici, de... tu vois, le devisement du gros... monde, c'est un truc qu'on a souvent feuilleté ensemble. On regarde souvent de Marco Polo. On a lu un petit peu sur la chaîne. Ici, sur la chaîne, on a lu souvent des extraits de Marco Polo, parce que c'est assez cool. Oui, il a la raison. Le Moyen-Âge considère donc la licorne comme existante. Ça ne veut pas dire qu'il ne le considère pas comme un animal lointain. C'est un animal qui appartient au lointain, mais pas, c'est pas une bête fabuleuse. Ça veut pas dire, par contre, que comment dire, plus que l'éléphant, quoi. Il y a du doute. L'éléphant, c'est une bête fabuleuse. Oui. On trouve des gens qui croyaient pas à l'éléphant. Pline doutait de l'existence des sirènes, par exemple. Et il disait lui-même qu'il y a des animaux qu'il considérait comme fabuleux, les oiseaux à tête de cheval, les pégases, les griffons. Il l'écrit clairement, et la sirène. Il ne croyait pas à plus que ça. Voilà. Mais c'est pareil, l'hippocampe, c'est un animal qui pouvait être regardé comme aussi merveilleux que n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il existe, quoi. OK, c'est pas vraiment un cheval. mais il existe. Et alors Augustin, il plaçait ça sous le régime de la nécessité. Il disait dans la Cité de Dieu, c'est pas nécessaire de croire à l'existence de tous ces genres d'hommes.
c'est pas nécessaire. Les genres, une multiplicité des genres d'hommes, donc les antipodes, les émiers, etc., les chiapodes, les centaures, etc., ou les sirènes. Voilà. Donc les sirènes, elles sont placées, vous voyez, ici, on le voit bien, assez souvent près des porches, des narthex, hein, et peut-être... Ben ça, c'est une hypothèse historienne intéressante, que la place de la sirène à cet endroit-là serait la mystique du seuil, qui est fondamentale hein, pour penser quelque chose de l'architecture romane, c'est-à-dire l'architecture romane comme, pas seulement comme locus, comme lieu, mais bien comme iter, comme mode de déplacement, de territorialisation du chrétien pas à pas, à travers toute une série de seuils, de franchissements, de parois réelles ou symboliques à l'intérieur de l'église, et donc de, cet endroit... De littéral parcours aussi, exact, pas juste de franchissement, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un déambulatoire ? Il y a tout cet espace-là. C'est pas un lieu à l'église, c'est un endroit à parcourir, quoi. Exactement, toute l'église est un lieu qui vous invite à un parcours comme ça, à la fois spirituel et puis une épreuve de vie... etc. Donc il y a des hypothèses de ce placement de la sirène, une créature hybride entre toutes, qui évoque le caractère transgressif du seuil, le caractère duel aussi du dedans et du dehors, et avec des invitations dans ce cas-là multiples de tout ordre, à savoir de ce qu'on laisse au dehors de l'église et ce qu'on y amène avec soi. De ce genre de choses, voilà. Et il y a aussi, bon, peut-être, on peut supposer, qu'il y a, des lieux de l'église où il est plus ou moins, on va dire, pensable, convenable, hein, de placer certaines figures monstrueuses. Voilà. Voilà, voilà. Oui. Donc, C'est sûr que, oui, mettre ça dans un dessin, c'est quand même... Oui, ça pourrait être un peu gênant. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu long sur la sirène, mais ça aurait pas, intéressant. Ça aurait pas été gênant pour un culte sémitique du Proche ou du Moyen-Orient du premier âge de fer, quoi. Quand on voit la tronche des chérubins, par exemple. Oui, le vrai chérubin est assez éloigné de l'angelot baroque. Le vrai chérubin, c'est pas vraiment... c'est une créature. C'est pas un petit angelot du cul, quoi. C'est plus... un peu effrayant, toi. On est plus dans le truc, il t'envoie un coup de patte, il t'arrache pas que la tête, il y a la moitié du corps qui part avec. Hein. C'est là pour garder le sang des seins et éviter que n'importe qui rentre dedans. Ouais. Et c'est assez rigolo d'ailleurs ce truc de seuil, quand on connaît l'importance que le seuil avait dans la conception du temple et chez les Grecs et chez les Romains, même si c'est très très différent de ce côté. On rentre pas par exemple dans un temple romain. Mais justement, le placer à l'entrée de ce qui serait le Naos, du coup, pour un temple grec, c'est assez rigolo. Je suis pas sûr d'être clair, là. Mais... Si, si. Si je réponds pas, c'est parce qu'en même temps, je suis en train de montrer des images, parce que pour l'instant, on n'avançait pas beaucoup sur la statuaire. Ouais. Donc, du coup, je profitais de ce que tu as raconté pour m'occuper, moi, de la partie illustrative de cette petite visite. Hein. Ah, comme c'est élégant, la façon dont il soutient la mandorle du Christ. Mmh. Alors ça, il y a une des fresques, vous verrez comme ça, où il y a un appui assez stupéfiant comme ça, où les objets constitutifs de l'appareil symbolique servent, au lieu de simplement servir de puissance architectonique, elles servent de vrai soutien matériel ou d'organisation matérielle des corps entre eux. C'est assez étonnant. Mmh. Je ne sais plus si c'est Anzy-le-Duc, mais peut-être, on regardera ça ensemble. Donc là, je vous montre des détails comme ça, et des deux chapiteaux latéraux, et des superbes... Alors là, on peut vraiment rentrer dans le détail. La photo est assez précise pour que vous puissiez voir d'assez près le linteau. Donc voilà, le Saint-Pierre. Avec... Les visages ont morflé quand même, mais c'est quand même très, 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 très bien conservé compte tenu de l'âge et de la fragilité de ce genre de sculpture et du caractère tendre de la pierre utilisée. Ouais. Je suis quand même très très impressionné que les mains aient survécu comme ça. Là, oui, là par exemple, ça c'est étonnant, ça. Très, là, très, elle très est dans un ça. État incroyable. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et dans un endroit où il y avait une bande d'iconoclastes qui passaient leur temps à bousiller des trucs en plus. C'est ça.
Ça, il faut bien c'est le dire. Petit quoi, miracle. Oui. C'est un petit miracle. Ça, on finirait par croire l'existence de Dieu. Quoi. Ben oui, Bourgogne-Franche-Comté, la Suisse est pas loin. Là, vous avez une vue de face de ma sirène incroyable. Elle a l'air tellement mélancolique. Oh oui. C'est vrai. Elle a l'air colère, là. Tu trouves? Elle a quand même l'air colère un peu, ouais. Je lui trouve le regard très très sombre. Ouais, je la trouve. Elle a une moue mélancolique, mais elle a les yeux. Elle a les yeux colère. Merci pour le follow, Lil Freddy. Donc là, c'est ce qu'on voit depuis l'église. C'est quand même important que de temps en temps, vous voyez un petit peu dans quoi on se promène. Voilà. Voilà, vous avez une vision générale de ces coins de Bourgogne paumés. Alors là, petite exception sur les modillons. C'est-à-dire qu'il y a des corbeaux, mais on a quelques petits modillons sculptés. Cette espèce de double tête de monstre assez étrange, aux dents saillantes. Ah ouais. Des choses plutôt ornementales, assez belles cascades de boucles comme ça. Ouais. Une espèce de singe, hein. Plutôt curieux avec un ce petit museau là. Mm-hmm. Mimi ça, hein. Ah c'est très très mimi, oui. Et le chien à sa mémère qui a rapporté la babale. Qui a rapporté possiblement une tête, hein. Tu crois, c'est pas une babale? Ah ouais, c'est une tête. La humaine. Babale, ça pourrait être une tête, oui. Ah ouais, c'est la tête au monsieur. Il a ramené la tête au monsieur. C'est gentil d'avoir ramené la tête au monsieur. Il avait ramené la tête au monsieur. C'est un gentil chien, ça. Donc, c'est un gentil chien. Là, c'est les fameuses pierres en troc si belles qu'on vous montre quand même les variations chromatiques sublimes qu'on peut avoir ici sur un des contreforts. Alors, Suze dit que la sirène boude et elle est spécialiste en bouderie. On peut croire Suze sur parole. Parce que, bon, ça, pourquoi je m'arrête sur des détails pareils parce que c'est ceux qu'on laisse souvent de côté, quoi, le matériau lui-même. Elle est docteur philosophia doctoris S. Boudoli. S. Boudologie, ouais. Ouais, c'est le moment waf. Alors, les parties inférieures des colonnes sont aussi parfois touchées par, sur leur base par la sculpture. Là. Celle-ci n'est pas en très bon état. De temps en temps, on en croisera des en bon état. Donc là, à l'intérieur, on nous a rajouté un petit cœur baroque tout mimi. Des petites statues parfois très très jolies, plus tardies, donc plutôt on est autour du 17e, mais avec des grosses mains, donc c'est la Vierge au Gormapa. Agnès est tombée amoureuse de cette Vierge. Mais faut pas, on peut pas lui en vouloir. Oh bah ben oui, c'est dégueulasse, mais c'est juste parce que c'est du travail de resto qui a été fait par des cochons. C'est pas du tout les mains originales de cette Vierge qui est d'une immense délicatesse, donc on lui a fait des mimines cradouilles. Dommage, il valait mieux laisser ça comme ça, en fait, tu vois, cette très jolie statue. De toute façon, on en revient à des discussions qu'on a déjà eues, certes, mais il y a vraiment une espèce de fausse évidence de la façon dont doit se passer une restauration qui devrait essayer de tendre vers un état neuf fantasmé, qui n'est pas du tout la seule solution. Oh là là. Voilà une restauration malencontreuse. Ah ouais, là, par exemple, pareil, tu laisses un trou, là, tu fais pas ça. Faut pas faire ça, bah non. Donc voilà, donc la Vierge au Gormapa. Souligner l'absence, j'arrive jamais à retrouver le nom de cette église. C'est une église dans un petit village espagnol, qui a été bombardée pendant la guerre civile. Donc il en restait des pans de mur, quoi. Et plutôt que de la restaurer, c'est-à-dire de refaire du faux neuf, hein, du faux vrai, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé le ce qui restait comme mur. Ils ont viré tous les parements sur les murs et ils ont remplacé ce qui manquait avec du verre cerclé d'acier. Donc tu as la trace fantomatique de ce qu'était cette église avec les parties manquantes en verre cerclé d'acier, quoi. C'est sublime au sens. Oui, c'est une excellente idée. Hein. C'est une superbe idée. Donc là, c'est des fresques du 16e. Malgré la beauté de cette fresque, parce que mes oreilles fatiguent. Elle est adorable. Mon casque. Ok. Et petite pause. En plus, je vais en profiter pour fumer. Du coup, va donc fumer une petite clope. À tout de suite. Ok, à tout de suite.
Donc là, à l'intérieur de l'église, il y a quelques vierges de bois du 15e et du 16e, des fresques du 16e. Hein. Donc je vous ai dit qu'elles avaient été retrouvées il n'y a pas si longtemps. Elles viennent d'être mises à jour. Elles devaient être pas mal. Alors que là, vous avez vu tout à l'heure un Saint Jean l'Évangéliste. J'ai l'air d'être un brillant analyste des attributs des saints, mais en fait, pas du tout. C'est parce que le peintre a pris le soin d'écrire au-dessus qui était le saint représenté. Et on retrouve ce goût pour les végétations extrêmement agitées qu'on a vu tout à l'heure sur le joli tympan d'Écurgie. Voilà, on retrouve ce goût-là. Donc c'est une forme expansive ici d'une vigne très très vivante. Salut Ragdou. Ah, le bled dont Gaël cherchait le nom, c'est à Villanova de la Barca. Merci, Samoussa, ça, c'est gentil de chercher. Donc là, il y a un très beau travail quand même sur l'habitation du mur par des motifs végétaux. On quitte les traditionnels rinceaux pour oser un vrai jeu de la végétation. On pouvait quand même noter que, pour ça que je dis c'est des fraises du 16e, elles ne sont pas du tout négligeables, elles ont vraiment un certain intérêt. Alors, que nous dit Akira? J'ai un bon ami de tailleur de pierre dans la région bordelaise qui travaille la pierre de Frontenac, qui est célèbre aussi pour sa dégradation redoutable. Ouais, c'est vrai que je suis assez fan des églises du coin qui sont quand même assez étonnantes, notamment à Bordeaux, c'est Sainte-Croix. Enfin, il y a une église romane tout à fait géniale. Effectivement, elle peut avoir parfois morflé, ça dépend. Alors, bien contrairement à ce constat, cette pierre au contact de l'eau durcit avec le temps. Ah, c'est marrant. Pour des sculptures ornementales, notamment si bien exécutées, la pierre doit durcir avec le temps. Et ça n'a pas souvent été le cas. Ah oui. Il faut dire aussi... ouais, les infos de chat ici, ça déchire. Hein. Vous êtes très fort, c'est bien, vous travaillez bien. Regardez ça comme c'est beau. Donc là, on a peut-être un des commanditaires en prière. En tout cas, c'est un prélat. Si on croit son vêtement sacerdotal. Ah, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un saint. Il y a un grand nombre de saints. Et Saint-Diacre, on parlait de Saint-Diacre la dernière fois. On parlait de Saint-Étienne et de Saint... trou de mémoire. Qui sont souvent associés en duo de saints. J'ai oublié. Qui sont tous les deux des saints martyrs chrétiens, l'un du second siècle, l'autre du troisième, hein, qui ont des habits de diacre. Donc c'est pas forcément une figure de laïc ou de prélat. Donc là, une litre, c'est des choses qui ont souvent, ces espèces de grandes bandes blasonnées ont souvent détruit à certains moments où les aristocrates locaux voulaient faire savoir, voulaient affirmer leur présence à l'intérieur de l'église et ce qu'elle leur devait, donc des grandes bandes noires comme ça, avec juste les blasons, l'héraldique des familles, ont pu parfois recouvrir des fresques de façon un peu désastreuse. On en trouve un petit peu partout hein, dans les lieux à fresques. D'ailleurs, je vous parle beaucoup de fresques, mais peut-être ça vaudrait le coup pour vous de mieux comprendre ce que c'est que l'art de la fresque, parce que voilà, je vous ai amené un truc. C'est Agnès qui a eu la gentillesse de me dire « Mais tu sais, tu pourrais leur expliquer comment ça fonctionne, les fresques. » Et il y a un de nos bouquins qui montre ça très bien. Donc, je sais gré, Agnès, d'avoir cet esprit d'à propos. Et je vais vous en parler maintenant en vous lisant ce petit chapitre et en vous montrant rapidement le montage qui a été fait. Alors, c'est intéressant d'avoir monté ça de cette façon parce que ça vous montre comment jour après jour, une giornata va chevaucher une autre. Donc ici... On voit, on peut le suivre, là c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire qu'on peut savoir en combien de sessions et en combien de giornate ça a été fait, parce qu'il y a une légère morsure sur la couche de la veille qui doit être faite, et cette petite morsure provoque un léger bourrelet d'une plage sur l'autre. S'il y a d'autres qui peuvent être intéressants, vous le verrez, c'est de voir, puisqu'il y a des endroits un peu plus dégradés que d'autres, eh bien, quelles sont les couches de travail à l'intérieur d'une fresque. Alors, tout ça, c'est le travail qu'on peut trouver dans la peinture dite a fresco, c'est de là que vient le terme fresque, à la chapelle du Palais des Papes. Et ils ont fait ce petit article, très court, très simple, mais qui va vous expliquer ce que c'est qu'une fresque, comment ça fonctionne, comment on fabrique ça, et ça peut, je pense que ça peut être un peu utile.
Donc voilà ce qu'ils disent. Issue de l'Antiquité, la technique de la fresque renaît en Italie au XIIIe siècle et prend son plein essor au XIVe. Le peintre pose une première ébauche sur le mur, la soumet au commanditaire et porte d'éventuelles modifications. Donc la première ébauche, hein, elle est faite très furtivement, au trait, hein, si vous voulez. On appelle ça une sinopie. Donc ce dessin préparatoire est fait à l'ocre rouge. Donc c'est juste un dessin au trait, à l'ocre rouge, au pinceau, donc des figures. Hein. On en possède certaines parce qu'il y a des fresques qui sont tombées, par exemple. Du coup, on a un accès direct aux sinopies et elles sont exposées parfois. C'est le cas si vous vous baladez... par exemple à Pise, eh bien, au petit musée qui se trouve sur le Camposanto, vous avez un petit musée qui présente les sinopies des fresques du Camposanto. Ça fait que vous pouvez regarder comme ça les travaux préparatoires qui ont servi à faire les fresques. Donc ce dessin préparatoire est fait à l'ocre rouge, riche en oxyde de fer. C'est une terre qui est importée de Sinope, une ville de la mer Noire, d'où le nom de Sinopia, Sinopie donc en français, hein, qui est donné à cette esquisse. Le mur est ensuite piqueté pour une bonne adhérence de l'enduit, puis il est mouillé abondamment. Donc il est piqueté, et ça, ces petites encoches, vous pouvez les voir dans des lieux où précisément les fresques sont tombées, les enduits des fresques, vous pouvez avoir un accès direct au fond préparatoire, et vous allez repérer une espèce de mouchetis de petites encoches qui sont les encoches préparatoires pour tout simplement accueillir l'enduit qui va être posé là et qui va mieux tenir grâce à ces piqûres. Donc il est mouillé le mur et il y a ces petites piqûres pour faire tenir l'enduit. Donc on égalise la paroi avec l'arricio. Donc l'arricio, c'est un mortier grossier, c'est un mélange de chaux et de sable, et sur lequel on va reporter l'esquisse détaillée qui avait été proposée au commanditaire, qui a dit oui, donc on y va. Ensuite, on exécute la fresque sur l'enduit humide lui-même, il doit rester humide, et donc la peinture, c'est pour ça qu'elle s'appelle fresque, elle est faite à fresco. À la fraîche. Elle est faite dans le frais de cet enduit. Alors, en séchant, la chaux qui est contenue dans ce fameux mortier va cristalliser à la surface, et ben les pigments ils vont être emprisonnés dans une espèce de formation dure, satinée, qu'on appelle le calcin. C'est un processus chimique qu'on appelle la carbonatation et qui rend la peinture ensuite extrêmement résistante. C'est elle qui nous permet de regarder des fresques du 12e, 13e, 14e. Donc elle est, comment dire, l'artiste va ensuite répartir la dernière couche de mortier, ce qu'on appelle l'intonaco, qui est très fine, très homogène, comme un onguent. Et ça se fait dans ce que je vous disais tout à l'heure, des giornate, des journées de travail. La giornata, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est une journée qu'on peut repérer parce qu'elle va mordre sur la journée suivante avec des tout petits effets de bourrelet. Donc c'est giornata, c'est une superficie de mortier en fait, sur laquelle on peut peindre pendant un laps de temps un peu court, parce qu'il faut que ça reste frais, ça dure 7 heures, et puis après on va maintenir tout ça mouillé avec des torchons. Donc ces journées sont plus ou moins étendues selon la complexité des motifs qu'elles portent. On reporte les tracés en incisant les contours d'un carton, ce qui va ajouter un effet de relief. Si vous collez votre petit nez à des fresques, vous allez voir effectivement en lumière rasante apparaître ces jeux de relief qui sont liés à ce tracé que qu'on aura pratiqué avec un petit bambou fendu ou quelque chose de ce genre. On utilise aussi des patrons perforés, ou qu'on appelle aussi des poncifs, qu'on va tamponner avec des petits sachets remplis de charbon ou d'ocre. Alors là, peut-être que pour vous, c'est très mystérieux, mais je peux vous expliquer, vous allez comprendre. Vous prenez une feuille de papier, vous avez un dessin, par exemple, vous voulez faire cette église-là, d'accord ? Vous utilisez une épingle et vous allez faire des petits trous d'épingle tout au long de l'église pour en marquer le contour et les lignes principales. Donc si vous regardez à travers la lumière, vous avez le parcours de votre église en tas de petits coups de piqûre. Et si vous frottez votre doigt par exemple avec de la mine graphite, avec un crayon gris, si vous faites ça avec la poudre, eh bien, elle va passer à travers et sur un autre support, elle pourra marquer ce dessin, elle va reporter ce dessin en autant de petits points de carbone que la poudre en aura laissé passer à travers les trous. Donc de la même manière, si vous souffletez par exemple une poudre d'un pigment, par exemple, je sais pas, de la sanguine, ce genre de craie, vous pouvez le faire avec des pastels secs, vous allez reporter le petit dessin qui a été fait à l'aiguille sur la surface qui va accueillir votre report. Vous avez compris le principe ? C'est pas si différent comme idée que le concept de pochoir. C'est exactement ça. Si c'est, c'est tout à fait un pochoir. Si vous voulez avoir une bonne idée. Ouais, tout à fait. Un truc intéressant avec la fresque et la conséquence que ça a, c'est que déjà c'est très souvent des grandes surfaces et il y a une influence énorme de la forme du coup où va prendre la fresque. De par le fait qu'il faut travailler rapidement. Donc,
ça suppose un certain nombre de choses, notamment pas forcément se focaliser sur le détail. Voilà, plutôt se focaliser sur la composition. Ça invite à penser la vivacité, effectivement, gestique. Ça fait des peintures qui sont extrêmement vives, du coup, parce qu'elles sont peintes dans l'urgence. Elles sont peintes avec une deadline absolue. Le moment où c'est sec, c'est foutu. Alors, on applique enfin les couleurs, donc des valeurs claires vers les plus foncés. On commence par les clairs, on monte aux plus foncés, contrairement à la peinture à l'huile, par exemple, où on fait le contraire. On va monter avec les plus clairs pour faire les réaux. Là, on commence par les clairs et ensuite on fonce. Terre et oxyde métallique sont délayés dans l'eau. Et enfin, les repentirs, on appelle ça comme ça, sont faits ensuite plutôt à sec, avec un agglutinant, donc ça va être de la colle, de la caséine, du fromage, mais bon, c'est plus fragile. Moi, c'est le terme qu'on donne, hein. C'est au truc, on appelle ça le fromage. Mais... Donc, oui. c'est des trucs ça qui peuvent tomber. Rire, avec le temps, les reprises, elles ont un peu tendance quand même à se casser la gueule et on va les perdre. Donc, tout ça nécessite, comme le disait Gaël, une grande maîtrise d'un art qui exige de vous une furtivité, un savoir-faire preste pour affirmer vos formes et surtout jouer les nuances. Voilà. C'est un truc qui me passionne. Et j'ai toujours trouvé ça dommage, c'est très très rare de tomber sur des visites qui parlent des aspects techniques en fait de la peinture qui est présentée. Alors que la fresque, c'est le parfait exemple si on veut illustrer la façon, ou la peinture à l'huile d'ailleurs, si on veut illustrer la façon dont les contraintes techniques conditionnent le type de forme qu'on va pouvoir donner au résultat. Quoi. Voilà, ça a l'air aride, vu de loin. Et ça peut être fait d'une façon aride. Et ça peut aussi être fait d'une façon vivante, en fait. Pas moins vivante que de raconter les histoires. En général, c'est plutôt ça qui se passe quand on fait une visite. Les guides vous racontent une histoire, quoi. Mais on peut raconter une histoire. On peut raconter une histoire technique et la rendre passionnante. Complètement, ouais. Ouais, j'en suis pas sûr. Je l'ai déjà fait. Donc là, je vous montre le plan de Saint-Pierre et Saint-Paul de Mont-sur-l'Étoile, que vous voyez un petit peu comment c'est foutu, comment avec le temps on a rajouté des espaces ici plus tardifs. Vous voyez les espaces en gris là, donc tout ça en noir, c'est la partie romane avec son cœur ici. Alors c'est écrit en allemand parce que je n'ai trouvé un plan qu'en allemand. Cherchez pas. Je sais pas si vous voyez mon curseur par dessus parce qu'il est blanc sur fond blanc, ça aide pas beaucoup. On voit quand même un peu bougeoter. Là, vous voyez la fameuse abside et derrière l'abside, vous avez ces plans quadrangulaires qui est plus récent, qui a été fait au XVIIIe siècle, qui est une autre chapelle avec laquelle on a prolongé le bâtiment. Et ici, on a rajouté une sacristie. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour Mont-sur-l'Étoile. Et on a fait trois églises. Non, on n'a pas fait trois, on en a fait que deux, on a fait que Curgy, Monceau. Ah oui, ouais. Ouais. On a fait que deux. Ouais, j'espérais. Ça va, il est 23h26, on aura le temps d'en faire trois. Oui. Oui. On aura le temps d'en faire trois. T'as raison. Salut, Demandrel. Alors, on passera pas à Chalon ce soir, Demandrel. Alors, je vous mets le nom de quelques endroits où vous allez pouvoir trouver de la doc sur Angers-le-Duc. Excusez-moi. Est-ce que j'ai pensé à vous foutre l'endroit où se trouve Angers sur le plan? Je ne sais plus. J'espère que oui. Ah, c'est pas la bonne carte. Donc, est-ce que j'ai là Angers? Je vais vous trouver ça. Normalement, j'ai un plan où on peut voir Angers-le-Duc. Pareil, Monceau. Angers, c'est ça. On ouvre ce lien. Est-ce qu'il va accepter de me l'ouvrir? Parce que tout à l'heure, il a déconné. Il n'a pas voulu. Ah ben oui, il ne veut pas. Regardez ça, c'est juste pour... Oh, le lien, il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc ça, c'est un peu con. Je vais vous refaire rapidement le parcours. Tant pis, on va faire comme ça. Hein. Que vous voyez un petit peu où se trouve Angers-le-Duc par rapport à Monceau-l'Étoile. C'est important. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez-y, on est courageux, on y va. Que vous voyez un petit peu cette espèce de parcours. Alors, on y va. Ici, donc on a Angers-le-Duc. Ici, on va avoir... Monceau-l'Étoile.
mont sur l'étoile. Voilà. Ensuite, on va rajouter ici Bogie. On y fera une petite halte tout à l'heure. Et ce mur en Brionnais. Allez-y, soyons fous. Ce mur en Brionnais. Que voilà. Vous avez un petit parcours comme ça. C'est parti. Donc là, vous voyez bien la ligne que ça nous propose. Depuis Bourges qui est là, vous avez une espèce de ligne qui nous permet de voir tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On y voit un peu plus clair sur la carte dans ce parcours-là. Donc, Anzy-le-Duc, je vous file un lien assez intéressant vers un site qui est ici. Qu'on peut regarder ensemble. C'est toujours sur Bourgogne-Romagne. Je veux bien que tu me l'ouvres à Uri. Qui est un chouette site. Assez riche. Qui est consacré entièrement à la Roman Bourgogne. Site à l'ancienne. Donc ça, c'est le truc qui vous permettra de rentrer vraiment dans les détails de l'histoire d'Angy. Vous avez ensuite deux autres... Ah oui, à l'ancienne, oui. Vraiment à l'ancienne. Hop, je frise. Ici. Oh la vache, le clocher. Et voici un qu'est-ce truc assez chouette. C'est un site qui est consacré à l'articulation roman-gothique qui permet à des novices qui voudraient apprendre un petit peu les éléments d'une grammaire de forme et peut-être des bases d'une périodisation un peu utile pour commencer à penser l'histoire. C'est ce truc-là. Voilà, c'est un endroit qui s'appelle Roman Gothique. Vous avez ici un travail thématique sur les origines de l'architecture religieuse médiévale, la classification roman gothique, etc., etc. Qu'est-ce qui la constitue? Qu'est-ce qui vous constitienne? En quoi elle est tenable? Quelles sont ses limites, etc. Donc c'est un site vraiment pour les débutants. Je vous conseille d'aller faire un saut là. Voilà, c'est plutôt chouette. Donc, on va parler ensemble d'Anzy-le-Duc, qui est le truc que je vous montre là, le plan que je vous montre là. Alors, on ne voit pas le fond, là. C'est un peu dommage. Attendez, est-ce que j'ai le moyen de vous montrer au moins le jeu des absides du fond, puisque ça compte un petit peu. Hop, c'est ça. Voilà, juste, je fais ça pour que vous le voyez un petit peu mieux. Moi, je suis déjà amoureux du clocher, déjà, pour commencer. C'est un endroit incroyable. Alors, je vous en parle très brièvement pour qu'on essaie de se mettre un petit peu dans le bain de cet endroit plutôt pas mal. Donc c'est un prieuré, c'est le prieuré de la Sainte Trinité, de la Sainte Croix et de Sainte Marie. Donc, vous voyez, c'est quand même déjà, on est sur un bel espace, quand même assez copieux. Vous voyez sur le plan la chute des absides comme ça, qui n'est pas sur un plan rayonnant, comme on a eu l'habitude de le voir dans d'autres régions du roman, où on vous avait comme ça tout un circuit concentrique de chapelles autour de l'abside principale. Là, c'est pas comme ça que c'est foutu. Vous avez des chapelles qui sont dans l'axe, à chaque fois, des collatéraux. Voilà, et qui va même une expansion des collatéraux, c'est-à-dire vous avez le transept, cette partie-là, là, vous voyez, qui vient croiser l'axe de la nef, former une espèce de grande croix latine. Bah, le transept, il a lui-même ses deux absides ici à ses extrémités. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire de cet endroit, si vous voulez. Donc en gros, au Xe siècle, vous avez une première église qui était carolingienne, qui a été remplacé dès le début du XIe siècle par une deuxième église. Donc tout ce qui reste est postérieur ou contemporain à cette église-là, à celle du XIe. Donc en gros, comme on le disait tout à l'heure, du carolingien, il reste rien. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, on sent très fort la personnalité d'Hugues d'Angy dans le coin, qui était même l'objet d'un culte dans le coin. C'était un mec important dans ce coin-là. Donc, c'est-à-dire un moine bénédictin, un moine du Xe siècle. Puis, le début, il s'était retiré à Saint-Savin, sur Gartempe, dans une église sublime dont je vous ai déjà parlé, parce qu'il y a un cycle de fresques sur la nef qui est une des plus belles choses du monde. Saint-Savin, où on va très régulièrement avec Agnès, parce que c'est un peu sur le chemin qui nous conduit dans le Limousin, où on va voir nos potes, donc on s'arrête régulièrement à Saint-Savin sur le chemin. Et ce moine bénédictin, ce Hugues d'Anzy, a rédigé la règle de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun. Donc à Autun, à l'abbaye de Saint-Martin, il a rédigé la règle sur une couche bénédictine, comme souvent. Enfin, on part de la règle de Saint-Benoît avec toujours la prétention. La règle de Saint-Benoît, c'est un petit peu la matrice. La matrice de laquelle on prétend se rapprocher toujours plus que les autres. Ouais, c'est moi.
C'est un peu la base hein, d'un grand nombre d'ordres, d'être plus bénédictin que les bénédictins. Et donc, il va participer, lui, en tant que conseiller à la fondation de Cluny. Donc, c'est quand même un mec qui a une grosse importance dans l'histoire de cette région. Cluny, c'est un centre fondamental. On en reparlera quand on ira visiter des grosses églises clunisiennes à proprement parler. C'est le centre de... C'est le centre intellectuel et artistique de l'époque. Alors, je vous conseille, si ça vous intéresse, un bouquin assez chouette sur Cluny. On avait parlé de la dernière fois. C'est pas un centre, hein. Bah non, c'est un peu un monstre qui est essaimé partout. Ce bouquin a été publié par MSM. C'est un petit bijou de précision et de rigueur. Si vous voulez vraiment tout savoir sur Cluny, c'est pas un livre de chercheur, hein, d'accord. Vous n'allez pas d'un seul coup vous ouvrir aux perspectives d'analyse assez brillantes des gens du Gaum, enfin toute cette approche-là de l'art médiéval. Par contre, si vous voulez comprendre un petit peu toute l'histoire, la construction du monachisme avant Cluny et puis de la réforme clunisienne. C'est dans ce bouquin-là que ça se passe, donc sa collection MSM. Le bouquin s'appelle Cluny. Je vous conseille vivement d'y foutre le nez. Combien Je ne sais pas combien coûtait cette petite merveille. Est-ce qu'il y a le prix dessus? Code prix, 124 francs. Donc, ça ferait combien en euros 6 fois 2, 25 euros 20. Quoi. Ouais, 20 euros. Ouais. Donc il doit être à 20 euros aujourd'hui. Quelque chose. Oui, c'est que dalle. Hein. Quelque chose. Bah, c'est vraiment une somme. Hein. Plus cher. Ouais, c'est vraiment une somme. Pour une somme pointue comme ça, qui donc va pas avoir un énorme public. Tu vois. Je vous avais montré un bouquin très copieux sur les Clunisiens, mais je me disais peut-être ça vous branche pas tant que ça. Autant de choses sur les Clunisiens, peut-être que c'est pas ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, c'est plutôt ça. Si ça vous branche, c'est. Voilà. C'est les ordres religieux. Ah oui. C'est oui. Un guide historique Flammarion. Ouais. Il est consacré à... Toute la collection tout l'heure, il y a énormément de choses intéressantes. Je suis OK avec ça, super collection. Et celui-là... C'est des ouvrages de travail, hein. Je veux dire, vous faites de la recherche en histoire de l'art, vous avez les tout l'heure dans votre bibliothèque, quoi. Parce que c'est des ouvrages de référence, vous allez trouver sur des aspects historiques comme ça, ou des aspects iconographiques, etc. Vous avez plein de choses intéressantes dans cette collection. Donc après, si vous voulez en savoir un plus sur les Dominicains, les Franciscains, sur Cluny, sur Citeaux, bon, il y a un bouquin par truc dans d'autres collègues, je vous en ai montré déjà, voilà. Mais bon, ouais. Vous n'allez pas obligé de passer votre vie dans les ordres religieux, il y a toutes les raisons que ça vous fasse chier, je comprendrai très bien. Mais bon, celui-là, par contre, c'est vraiment très cool de piger toute cette construction du territoire ecclésiastique très complexe et théologique aussi, parce qu'il y a des enjeux théologiques à chaque fois. C'est pas si savant, c'est pas rébarbatif, c'est plutôt passionnant, en gros, c'est de la politique, hein. Enfin, clairement. Donc c'est quelque chose qui vous intéresse tous et toutes. Complètement. Hein. L'histoire des ordres religieux, c'est une histoire de la politique médiévale. Bah ouais, quoi. Complètement. Vraiment. Donc le petit père Hugues d'Anzy, il va finir sa prière au prieuré qu'on est en train de visiter, enfin qu'on va visiter, le prieuré d'Anzy-le-Duc. Et il est tellement important pour la région, ça fait quand même pas si fréquent. Dès le 11e siècle, on va commencer à écrire son hagiographie et on commence à y décrire les miracles qu'on va lui attribuer. Donc, on n'a plus les reliques du gaillard, mais on a quand même construit, vous allez voir dans la crypte de cette église, là, dans l'Île-Duc, on a construit un gisant mémorial de Hugues d'Anzy. Donc, un mec important à cet endroit-là. Donc, Il a été béatifié il est sanctifié même. Hein. Enfin, c'est un saint. Il est canonisé, ouais. Ok. Il est canonisé très vite. Tu vois, puisqu'on parle de ces miracles dès le 11e siècle, donc si on attribue des miracles, c'est bon. Voilà. Alors, tu as trois. Bah, il faut qu'il soit reconnu, hein, ceci dit. Hein. Oui. Bon, après, les miracles qui servent à... Celui qui me fait le plus rire, je crois, c'est le coup de la baffe de Thomas. Le coup de la baffe de Thomas de Thomas. Oh là là. Bon sang. Ah, du docteur Angélique. Dominique. Oui, Thomas d'Aquin, oui. Thomas d'Aquin. Oui, pardon, oui. Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin. Oui. Dominicain. Oui. Excuse-moi, j'ai l'esprit qui a bugué, oui. Qui, dit-on, a renvoyé un démon... aux enfers en lui foutant une torgnole sur le coin de la gueule. En lui connant une beigne. Hein. Ce qui m'amuse beaucoup là-dedans, c'est la raison pour laquelle le démon était venu lui adresser la parole.
c'est que en fait, et c'est dit comme ça dans le processus d'enquête pour sa canonisation, quoi. Le démon l'a aidé à faire sa bibliothèque et il lui dit bon bah écoute, je t'ai aidé, maintenant il serait temps de payer. Thomas d'Aquin, blanc. Il claque son beignet. Bon, il n'est pas du tout reconnaissant. C'est pas gentil ça. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas du tout sympa. Ouais. Le mec, le démon s'est fait chier à lui réunir des bouquins et tout et tout. Et voilà comment il est remercié. Quoi. Puis ça devait être un bouse-bulle quand même. La bibliothèque de Thomas, ça devait pas être rien quoi. Je dis pas le merdier. Alors, Desmondrel nous dit, j'ai trop visité Cluny, chaque fois qu'il y avait des invités chez mes parents, on va visiter Cluny, je déteste maintenant. Bah, on en a parlé beaucoup, parce qu'on a fait une visite à Cluny avec Agnès, on a beaucoup ri sur le fait qu'aller à Cluny, c'est surtout regarder ce qu'on ne voit pas. Il y a essentiellement rien à voir. C'est quand même, avant tout, un néon total, quoi. Donc, c'est très, très frustrant pour qui voudrait voir quelque chose. En plus, l'état général du truc, c'est pas ouf non plus. Donc, c'est un peu bizarre. T'as une drôle d'atmosphère, quand même, la visite à Cluny. Hein. Donc, pour l'église qui nous concerne, grand intérêt historique. Hein. Comment ? Grand intérêt historique aussi, mais. Donc, les travaux auraient commencé donc, pour notre petit bazar. Là, vous avez ici la partie la plus sombre, la partie noire, c'est la partie qui reste du 11e siècle. Hein, et la partie grisée plus claire, là, c'est la partie du 12e siècle. Donc, globalement, vous avez quand même un corps d'église qui est roman dans sa quasi-totalité. Donc les travaux ont d'abord commencé par les soubassements et par la crypte, hein, qu'on ira visiter un petit peu. Alors, il y avait des petites fenêtres qui donnaient sur cette crypte au début, donc c'est vraiment la composition de la liturgie à l'ancienne, comme ça, avec une espèce de demi-crypte, enfin un accès visuel à la crypte par des fenestelae, pour que les pèlerins puissent suivre la liturgie qu'on pouvait donner dans cette crypte. Donc c'était vraiment ce type roman quoi, de cette construction, vous pouvez en voir. Alors moi j'en ai vu surtout en Italie, hein, de ces endroits intermédiaires là, qui sont très, très étonnants, il y en a des très très beaux, je pense à San Miniato al Monte au-dessus de Florence, mais en fait il y en a un petit peu partout. Mais là par contre c'est la seule crypte hein, d'un modèle comme ça dans le Brionnais, il n'y en a pas vraiment d'autres, hein, parce que tout a été, enfin, les niveaux ont été réajustés, quand on a fait la nef, on a réajusté le niveau, donc tout a été remis, alors, c'est des réajustements à la va comme je te, là tout est un peu à des niveaux différents, mais bon, sans avoir conservé le plan roman en question, et donc ils vont construire le chœur, hein. Et puis pas à pas, ils vont avancer comme ça avec le transept que vous voyez ici, donc la partie gris plus claire, qui va être fabriquée dans les... Enfin, il va commencer dans les premières années du 12e siècle. Là, on est d'accord que c'est assez typique, ça. Il y a beaucoup d'églises. Tu commences par le chœur parce que c'est l'endroit le plus sacré. Mmh. Parce que ce qui m'épate le plus, c'est le nombre de fois où on commence par le chœur, et puis on va... ensuite, on va à l'opposé complètement, et on recommence par le portail. Quoi, et, puis, et puis on construit la nef vers le cœur après. C'est ça. Ce qui fait que des fois, il y a des problèmes de jonction entre le transept et la nef. Mais bon. Oui, bah, en plus, on y gagne des sentiments étranges de disharmonie, mais ça peut donner une grande beauté à l'église, hein, la rencontre comme ça des styles ou des choses de ce genre. Ouais. Non, puis... Comme disait Alfred Jarry, la beauté est un vase auquel on ne demande pas de n'être pas fêlé, puisque c'est le plus bel ornement. Et le fait est que tu prends le Panthéon à Rome, c'est le parfait exemple de donc c'est un dôme incroyable. Ouais, c'est un endroit incroyable. Être là-dedans, c'est une drôle d'expérience. Hein. Mais quand tu regardes de l'extérieur, ça paye pas de mal branlé. Ouais. Enfin, vraiment les deux parties sont mal agencées les deux. Donc t'as la partie coupole qui est de travers par rapport. Enfin, bon. Mais la de l'intérieur par contre c'est fabuleux quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe encore pour notre bazar ? Ouais, donc après ça, après ces constructions-là, on va commencer à envisager la reconstruction de la première nef. Bah oui, évidemment. On va achever donc le chevet, c'est ce qu'on appelle le chevet, c'est l'arrière, là où vous voyez cette petite cascade d'abside, là, hein, ces trucs demi-circulaires, là, cet endroit-là. On va finir ce bordel-là. D'accord, la nef, elle va être réagrandie par des nouvelles travées. Alors, ce qu'on appelle une travée, c'est pas compliqué. Je vous ai parlé de l'axe longitudinal, donc le long de la nef. Donc, ça, voilà. Travée, ça vient d'un mot latin qui veut dire la poutre. Pour vous donner une idée, c'est une mesure de.
c'est ces axes-là. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 travées. Voilà, c'est comme ça que vous vous calculez quand vous regardez une façade. Ouais. Donc, souvent sanctionné par des choses répétées qui peuvent vous dire, là, j'ai affaire à une travée. C'est l'élément constitutif d'une métrique, comme ça, horizontale, où vous pouvez repérer eh bien, le, comment on pourrait dire, le rythme propre d'un espace dans ses différentes articulations. Là, elles sont séparées par des colonnades précises. Et elles sont, comme vous le voyez, les petites croix, là, ce que ça représente. Les petites croix, c'est ce que ça veut dire que c'est voûté d'arêtes. Donc, il y a des voûtes qui se rencontrent ici avec une clé, généralement la clé de voûte à cet endroit-là, qui donne une très bonne répartition par ce type de voûte sur de force et de poussée sur les piliers qui sont là. Donc tout ça est voûté d'arêtes. C'est une invention qui va, bah, notamment dans l'art clunisien, trouver son explosion dans l'art gothique par la suite. Ça permet d'élever vachement plus vos églises, en fait. Ça a été une telle mode qu'on a refait des plafonds pleins d'églises d'ailleurs. Passer de voûte en caisson à une voûture d'arête, c'était le dernier chic à l'époque, vraiment. Tu voulais faire un truc un peu classe. Qu'est-ce que ça coûte de faire une petite voûte d'arête, franchement. Oh, allez. Ici, historiquement, c'est la première fois qu'on va poser une voûte d'arête sur une aussi large nef centrale. Donc, il y a une espèce de pari architectural quand même à Anzy-le-Duc. C'est une église importante aussi pour ça. Il y a des expérimentations qui sont complètement nouvelles et qui vont porter leurs fruits après et contaminer les constructions par la suite. Les collatéraux eux-mêmes sont voûtés d'arête. Donc, tout ça préfigure vraiment, parce qu'il y a, je n'ai pas dit, mais il y a des très hautes baies qu'on va regarder ensemble pour l'éclairage, donc avec tous les risques d'écroulement que ça en coûte. Oui, c'est ça, j'allais dire, quand on parle d'expérimentation, il faut voir qu'on expérimente avec la possibilité que tout se pète. Ah bah oui. Tout se pète la gueule sur ta tronche pendant bien que tu es en train de bosser. Oui, des fois, ça se vautre. Hein. Là, ça ne s'est pas vautré, mais ils ont tenté le coup. Ouais. Ça valait le coup, ça a marché. Alors on verra tout à l'heure un petit peu comment c'est foutu portail etc, mais là je vous ai dit juste rapidement à partir du plan, on va s'approcher un peu, c'est bien joli de regarder des plans, mais les plans c'est chiant, donc voilà. Les plans c'est une bonne introduction pour se faire une idée de l'espace. Ouais, ça permet déjà d'embrasser et là vous voyez un truc particulier, regardez ce clocher comme il est différent. Le clocher est magnifique. Voilà, il a un plan octogonal et ouais. Ça par exemple c'est une constante dans l'art roman d'Auvergne, mais pas ici. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'il y a, des zones de membranes plus ou moins poreuses entre les différentes régions qui font que, bah, il y a des choix artistiques qui peuvent se retrouver d'un endroit à l'autre. Et là, clairement, ce plan-là, le plan caractéristique de l'église romane auvergnate, je crois que dans le coin, on a regardé récemment, parmi celles qu'on a observées, il y avait un plan barlon sous le clocher, qui est aussi un truc récurrent de l'art roman auvergnat. Donc de temps en temps, il y a des petites pics comme ça. Sur une autre église, sur deux autres églises du Bourguignon, j'ai noté un travail de bichromie où les pierres sont alternées sur le clocher, qui est caractéristique de l'art auvergnat aussi. Donc de temps en temps, hop, il y a des petites pics comme ça. Ça parle de quelque chose d'intéressant sur un plan historique. C'est le fait qu'on sous-estime énormément les mouvements de population à l'époque, à l'époque médiévale. Les gens bougeaient énormément, en fait. Peut-être même plus que maintenant en moyenne. Bah, y a un bouquin complet qui vient de sortir qui s'appelle Voyager au Moyen-Âge. Je me suis tapé, mais j'ai oublié le nom de l'autrice, j'ai un peu honte. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. C'est un bouquin un peu remarquablement chiant parce qu'il est très répétitif, mais il est extrêmement bien documenté. Et il nous permet de voir l'incroyable nombre de kilomètres que certains pouvaient franchir, effectivement. Alors, où c'est foutu ? Il est là. C'est ça. Ah non, c'est pas une autrice, c'est un auteur. Voilà, c'est là. C'est ce truc-là, hop. Alors, et là, typiquement, bon, bah, vous avez quelqu'un qui arrive d'Auvergne, qui fait tiens, bah, en Auvergne, j'ai vu ça, ça a l'air sympa. Voilà. Oui, je crois que Voyager au Moyen-Âge. Je l'ai pas lu, mais je l'ai feuilleté un peu. Ah, c'est pas inintéressant. Oui, ça avait l'air assez sec. Ouais, ouais, même, c'est un peu sec, donc c'est très répétitif, mais c'est utile. Je le conseillerais pas forcément à quelqu'un qui est pas vraiment passionné. C'est ça, faut avoir vraiment une grosse envie, quoi. Il faut apporter sa passion, quoi. C'est l'auberge espagnole de la passion, il faut arriver avec. Vous voyez, elle ne sera pas fournie par le nez. Il y a eu un incroyable calembour. Ouais, le nef plus ultra, j'avoue que c'est drôle. Ah, le nef plus ultra, oui. Je dois dire que ça me fait rire. Aussi, ouais.
Ce que vous voyez là, dans cette, à l'intérieur de la voussure là, de ce portail, c'est un truc qu'on verra de façon récurrente aussi, comme type de circulation du regard sur les derniers sursauts des archivoltes sur ce genre d'entrée. Des petits végétaux là, comme ça, c'est cool. Ouais, avec une grande profondeur de relief. Ça, c'est vraiment un truc très très beau sur le relief d'Anzy-le-Duc. Donc, vous voyez, il y a un truc aussi qui est étonnant, c'est la pierre choisie pour faire les baies, qui est différente, et ça donne un truc hyper beau quoi sur cette façade. Donc là, on se balade un peu autour. Une belle vue sur ce clocher. Wow. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau, hein. Ouais. Et là, vous verrez, on a une rangée de modillons. Alors, je vous en ai pris quelques zooms de modillons parce que ils sont quand même très très beaux. Donc on voit que cette église, elle a un caractère un peu à part hein, quand même. Oui. Alors, le vrai tympan n'est plus là. Le tympan, on l'a regardé avec Agnès quand on a été se balader à Paray-le-Monial pour une raison simple, c'est que le vrai tympan qu'on regardait à l'instant, il est au musée Hiéron à Paray-le-Monial. Donc, celui qu'on regarde, là, c'est un moulage, je suppose, qui a été rajouté après pour mieux conserver l'original. Donc là, on va regarder quelques petits modillons qui sont quand même assez chers. Oh la vache. Ah ouais. Alors, il y en a des tout à fait incroyables. Ah ben j'avoue. On a un cyclope, ce qui est quand même un motif pas fréquent. Je vous avoue que c'est... Attends, mais c'est en... On dirait Polyphème, quoi. C'est que sa tête, là, ou... Je sais pas, je crois que c'est ses bras ou moustaches, je sais pas. C'est des bras moustaches, des broustaches. Des broustaches. Et sa barbe, c'est ses papates. Non, c'est des pas barbe. La barbe à papates. La barbe à papates, c'est ça. Et des broustaches et une barbe à papates. Alors, en voilà d'autres. Hein. Comme ils étaient vraiment beaux, je voulais absolument faire un petit peu de... Quelques vues. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Ouais, c'est beau. Hein. Alors, lui, il est assez morveux. Et sa morve rejoint son cérumen. C'est quand même assez étrange. Des trucs... Il y a sûrement un truc qui était transparent pour quelqu'un à l'époque dans cette région, et qui nous échappe maintenant. Non, oh, pas forcément. Hein. Quand on écoute comment le... Ah, pas forcément, mais ça arrive un jour, le truc. Hein. Là, comment le... T'en prends dans l'apologie à Guillaume de Saint-Thierry, écrite par Bernard de Clairvaux, quand il part en colère contre les figures, c'est bien parce que la transparence n'était pas vraiment de mise. Quoi. C'est tout le monde non, s'amuse. Bernard, c'est une tête de con. On est d'accord. Mais grâce à cette tête... Ok, d'accord, il écrit bien, mais c'est une tête de con. Ouais. Et grâce à cette tête de con... Ah, plus ça veut rien dire, etc. C'est une tête de con. On sait... En tout cas, qu'il n'y a pas un régime symbolique fixé, quoi. C'est qu'il y a une grande liberté de ton. Pas forcément. Regardez cette petite sirène qui cherche un petit quelqu'un. Tu prends quand même la mesure de genre de phénomène quand tu étudies la peinture de Jean flamande du 17e, quoi. Oui, mais là on est au 12e. Tu sais, non, mais où tu te retrouves face à des rébus qui étaient transparents pour les gens de l'époque, et là tu connais, genre, quatre codes utilisés, quoi, quatre dictons utilisés pour ton tableau, et tu sais que t'en as 50, quoi. Que chaque élément est censé avoir un sens. Mais là, c'est pas le cas. En tout cas, les historiens sont assez formels pour ce que j'en lis sur le sujet. C'est qu'on n'a rien qui nous permette d'étayer la thèse d'un régime de signification serait d'usage, quoi. C'est la tendance, c'est plutôt... Je ne dis pas qu'il y a quelque chose, mais a-t-on rien qui nous permette d'étayer la thèse qui n'en a pas ? Oui, on a tout ce qu'il faut qui nous permet de dire qu'on irait plutôt vers des régimes de pensée de la sculpture qui ne sont pas des régimes de forme, mais plutôt des régimes de mouvement et qui tendent plutôt à habiter la pierre de certains types de processus, donc végétaux ou alors des transitus d'un état du matériel vers le spirituel, ou donc l'habitation. Je te donne un exemple très simple, tu vas comprendre tout de suite. On remarque des régimes de symétrie assez
récurrent dans les constructions des chapiteaux historiés. Et ce régime de symétrie, il ne veut pas, si tu veux, enfin, il n'a pas pour principe l'idée que la germination ou le processus du double existe comme double en régime de signification, mais plutôt comme type de processus d'habitation de la pierre, qui n'est pas tout à fait du motif au sens où on l'entend de façon contemporaine, et pas tout à fait la représentation au sens où on aurait pu l'entendre à l'époque, mais bien plutôt des manières de faire pousser les mouvements de plasticité comme une espèce de régime d'organicité générale, tu vois, de réorganisation continue de la pierre comme un... Si tu veux, il y a une matrice de signification, ce serait plutôt celle du paradis perdu, par exemple, pour la façon dont la floraison des colonnes entre elles travaille. Elle travaille plus à faire valoir comme champ général la diversité, tu vois, la variéta, que considérer que chaque élément vient dire quelque chose à l'intérieur de cette variéta. Et ainsi de suite, Chaque élément sert essentiellement à parler de cette variété. Exactement. En fait. Voilà, okay. Tu vois, on va plutôt vers là. Et les textes ont plutôt tendance à nous orienter dans cette direction. Mais c'est très, très beau. Hein. C'est une toute autre pensée de la représentation, pour le coup. Hein. Il y a des petits bonhommes tête bêche. Bon, ça n'empêche pas que fleurissent plein de choses qui renvoient, je parlais de la sirène avec... Mais ça ne veut pas dire que... Par exemple, ça ne veut absolument pas dire, ça, il faut vraiment se garder de cette tentation. Quand il y a une sirène, ça veut dire ça. On doit garder en tête que non. Il faut être le plus prudent possible. Quand on voit une sirène, j'ai parlé de thématique des seuils, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et puis il y a plein de pourquoi pas qui viennent s'y greffer, et ainsi de suite. Là où dans les exemples que tu prends au 16e, on est clairement dans une perte de sens radical. Ah ben là, non, mais oui, je prenais ça comme exemple pour montrer comment ça se fait et les trous que ça peut laisser. Oui. Dans quelque chose qui était aussi codifié que la peinture de genre du nord de l'Europe au 17e, c'était. Tu vois, du coup, tu vois très 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 bien les trous parce que. Mais tu sais, voilà. Ce type est en train d'égorger une vache tête en bas quand même. Il a un grand couteau planté dans sa bouche. Ah, c'est une vache ou un démon? Va savoir. Un démon vache. C'est ça. Un type qui se lisse les moustaches. Ouais. Un truc floral chelou. Un petit bonhomme sur une grappe de raisin vraiment bizarre. Je pense que c'est une métaphore du mildiou, à mon avis. Pas impossible. On doit garder ça en tête. C'est pas impossible. Le fameux cyclope qui va quand même trouer. Il est assez incroyable. Parce que ça, j'ai jamais vu. Regardez un peu l'élégance quand même de ce truc vu de loin. Ouais. Vous avez la silhouette de cette putain d'église. C'est quand même pas rien. Ouais. Voilà, donc le tympan, on s'approche un peu. Donc il a quand même pris cher quand même. Donc vous avez un Christ en majesté. Donc on peut le rapprocher. C'est paradoxal parce que l'autre était. Enfin, content. Regarde, tu vois, ils n'ont plus de tête là. Hein. Ouais. Donc c'est quand même marrant parce que c'est moins fragile là, a priori. Ouais. À part le Christ en majesté qui est en haut-relief, tout le reste c'est du bas-relief et pourtant ça a plus morflé. Ouais, mais là, c'est parce qu'on s'en est pris à cet endroit. On l'a un peu caillassé. Ah, oui, ouais, là, je pense que... Ceci expliquant cela, oui. Alors, dans la voussure, vous avez... Enfin non, c'est pas ce que je devrais dire. Vous aviez... vous avez des vieillards de l'Apocalypse. Alors, c'est la coutume. Hein. C'est très, très courant. Vous ayez les... Alors, vous les reconnaissez facilement, cette figure typique de l'Apocalypse, parce qu'ils tiennent dans les mains ce petit instrument et un calice dans l'autre. Donc, c'est un instrument de musique. C'est une vielle à trois cordes. Et vous pouvez trouver ça donc, sur un nombre assez considérable de tympans de cette région, et généralement dans la voussure qui suit presque immédiatement le Christ en majesté avec ses anges, comme tout à l'heure, hein, tu vois, ça fonctionne pareil. Oui. Là, par contre, on trouve la gestuelle du Christ plutôt ramassée, c'est-à-dire plutôt un juge, et dessous... vous avez, alors là il n'y a pas les 24 vieillards, il n'y en a que 19, mais on pense qu'ils sont répartis petit à petit sur les chapiteaux autour, puisqu'il y en a des éclats qui nous laissent penser qu'ils se poursuivent. Alors cette poursuite asymétrique, cette continuité d'un endroit à l'autre, c'est des trucs que vous pouvez voir dans d'autres églises romanes. La plus belle église romane de Arles, Saint-Trophime,
travaillent beaucoup comme ça, et c'est assez inouï. Enfin, si vous pouvez aller à Arles voir ça, je pense que vous verrez une des plus belles églises romanes de votre vie. Ça a été un grand choc pour moi. Et donc, vous avez ce linteau qui est dessous, qui est assez unique et bizarre, je vous le dis. Il y a quand même des trucs plutôt curieux à cet endroit-là. Une connexion ne doit pas être très bonne, c'est assez flou chez moi. Si flou ? Attends, ouais, je peux peut-être essayer. Déjà que... Marc, c'est à chaque fois que tu bouges, ça floute. Ok, je bouge. Ouais, ça se fixe après. C'est dû ouais, aussi... Ça se fixe ouais. Après. Si t'attends un peu, exactement. Plutôt de bouger ouais, tout le temps, c'est ce qui se passe. Là, par exemple, je vois très bien. Ouais, c'est net, on est d'accord. Je vois ma viola trois cordes, le calice, tout ça, je vois. Tu vois tout bien. Mais bon, l'autre ouais, surtout était un peu flou. Hein, donc là, vous en avez un exemple. Ah ouais, très, très, très bien. Voilà, là, on voit très, très, très bien. Donc, ces vieillards sont censés être couronnés. On voit qu'il l'est. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, l'autre côté. Et on voit aussi bah, ce dont je parlais, l'incroyable variété hein, d'attitude, de posture, de physionomie. Ouais. Oh bah, ils ont raison, les sculpteurs. Hein. Ils ne vont pas se faire chier à faire le même motif à chaque fois. C'est chiant. Donc, quand je disais que ça se poursuivait ça, sur les chapiteaux, typiquement, là, tu vois, on a quitté la voussure et puis on retrouve... Ouais, lui, il s'est décollé, ouais. Voilà. Je me casse. J'en ai plein le cul. Voilà. Ouais. Je décolle. Allez, hop. Ici, on a le fameux pied droit sculpté. Arrête de bouger. Bah, je bouge plus, là. Là, tu bouges. Et vous avez un truc qu'on retrouve souvent dans la statuaire de cette époque. Hein. C'est des animaux musiciens. Donc là, vous avez une espèce d'âne qui joue de la syrinx, enfin une c'est marrant, moi, j'aurais flûte vu de pan. Ouais, enfin un truc, on va dire, un mammifère. Un mammifère, oui. Mais juste parce que tout simplement, les représentations d'âne jouant de la syrinx sont courantes. Donc j'aurais tendance spontanément, mais bon, pourquoi pas un fan hein. Moi, j'ai rien contre. Hein. Je n'y suis pas du tout opposé. Moi, tu sais, je suis très ouvert à toutes les propositions romanes. Ouais. Non, mais c'est vrai que compte tenu de l'instrument. Là, on rentre dedans, vous avez un bel espace. Alors, quand tout à l'heure Gaël parlait d'un roman qui pouvait être très lumineux, typiquement, Angers-le-Duc est une église plutôt lumineuse. Là, on voit bien, Paray-le-Monial aussi est plutôt très lumineuse. Saint-Savin, ça explose de couleurs. Donc, c'est sur la Gartempe, enfin, c'est loin de là, plutôt proche du Poitou. Mais de temps en temps, c'est ça. Et là, vous voyez au fond les fresques qui sont au fond. Je n'ai pas beaucoup pris en photo. Vous allez comprendre rapidement pourquoi, si on essaie de se rapprocher. On va quand même là regarder un des petits chapitouilles. Chapitouilles. Voilà, c'est un peu fou parce que bah, il est loin sur la photo. Vous avez cette sarabande musicale assez étrange. Et très flou, oui. Effectivement, et un peu flou, oui. Ouais. Bah, je pense que j'ai essayé de choper des trucs un peu plus... Bon, encore, là, on parlait du combat du bien et du mal, incarné souvent par la lutte de Saint-Michel. Là, voilà un exemple assez chouette, avec un démon plutôt étrange et rigolard. J'ai peut-être une vision plus proche tout à l'heure, j'espère. Ouais. Donc au loin, vous voyez les peintures de l'abside, hein. Un orgue dont on a pas grand-chose à foutre. Voilà, une des absides. Donc, vous avez vu qu'il y en avait un bon paquet sur le plan. Hein. Et si je ne me suis pas rapproché des peintures, vous allez vite comprendre. C'est qu'elles ont l'air cool, mais en fait, elles sont très lourdement retouchées. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu vraiment un travail de bordélique de retouche au 19e. Ah, oui. Et ça fait illusion quand on est à 10 mètres, tu vois. Mais quand on se rapproche, on pleure sa mère. Notamment le cul-de-four de la grande abside, c'est pas jojo. Donc du coup, je vous ai pas mis beaucoup de peinture. Non, mais tu peux toujours rester un petit peu à distance. Par contre, là, on se fait une bonne idée de ce à quoi pouvait ressembler la peinture des églises romanes. Ouais, c'est ça. Mais imaginez la même chose, mais en plus vif et sur l'extérieur. Et vous avez la raison pour laquelle on le refait pas.
J'ai un souvenir d'un élu, d'un maire local qui avait appelé, chose rare en France, l'architecte des monuments historiques avait décidé de rénover en recolorisant les parois extérieures d'une église romane avec les couleurs de l'époque. Ah, le ton sur ton, c'est pas passé chez les habitants. Le type téléphoné enfermé dans ses chiottes en disant je peux plus les tenir, ils ont sorti les fourches, là ils sont en train d'enfoncer la porte pour faire quelque chose. Viens, moi cette peinture tout de suite, là, je ne les tiens plus là. Donc là vous avez Samson retenant le temple. Ah, truc rigolo par contre, c'est qu'on s'est rendu compte sur les peintures d'église, on s'est rendu compte que le baroque avait très souvent repris les motifs. Des églises romanes, mais pas en couleur vive, en couleur pastel. Mais c'était les mêmes motifs repris, mais en pastel. En fait. Ah, je vais faire pipi, je vous laisse devant ce Samson le temps que je pisse. Voilà, regardez comme c'est beau, j'arrive. Voilà, on va en profiter pour vous faire un petit cours de d'histoire biblique. Samson, le truc des cheveux, c'est pas que sa force était dans ses cheveux, c'est tout bêtement que c'était un nazir, il s'était voué entièrement à Yahvé, et donc il respectait à la lettre le Lévitique, mais tout le Lévitique. Donc ça veut dire qu'il se coupait pas les ongles, il se coupait pas les cheveux, il portait des tissus d'un seul, des vêtements d'un seul type de tissu, etc., etc., etc. Et donc Dalila, quand elle lui coupe les cheveux, c'est pas tant qu'elle le vire d'un symbole de sa puissance qui serait ses cheveux, c'est qu'elle lui fait ne pas respecter une des prescriptions du Lévitique qui est tu trompes pas les cheveux quoi. Et du coup c'est sa condition de nazir scrupuleux qui lui donnait sa force, et c'est cette transgression de la loi du Lévitique qui lui enlève en fait. Ah, c'est gentil d'avoir parlé de Samson, merci. C'est pas les cheveux en fait, c'est... Donc je me suis dit, voilà, comme je pense que tu tenais pas particulièrement à ce que je te devance sur la forme, j'allais faire une petite explication sur qui était Samson. Bah, tu as très bien fait. Alors, on en a parlé pour d'autres anecdotes de la vie de Samson et pas celle du temple, donc c'est super. Parfait. Merci Gaël. Donc là, on a un truc qui est vraiment intéressant, c'est les rayons de noir sur les pupilles. C'est un truc qui est vraiment remarquant sur certains statuaires. Bon, par exemple, si vous aimez les émaux du Limousin du 12e, bon, c'est un truc qui est assez saillant sur ce type de bronze du Limousin. Et là, on est donc en Bourgogne sur les statues, et il y a un caractère vraiment très vif qui est donné à cette situation qui donne au regard des statues une espèce de vectorisation de l'espace tout entier dans lequel vous êtes pris. C'est vraiment très très singulier, quoi. Comment ça, il était muté, Gaël? Mais non, il n'est pas muté, je l'ai entendu. Pourquoi il aurait été muté? Il n'est pas muté, on l'entend très bien. Je vois son petit clavier qui clicote. Qu'est-ce que tu racontes, Solarius? C'est tes oreilles qui étaient mutées. Là, vous avez des sortes d'ânes rigolards qui partagent une végétation en la broutant. C'est un chapiteau extrêmement mignon. À la fois mignon et inquiétant. Je pense, enfin moi c'était un de mes préférés. J'aimais beaucoup le mignon du coup. C'est ça. Là on a une clé étrange. Hein. Donc ouais. C'est une sorte de Sedes Sapiente, donc c'est-à-dire une vierge en trône. Très frontale. C'est un motif hérité hein, plus ou moins de la typologie mariale byzantine, où une vierge vraiment de face avec l'enfant de face habillé. Qui a une clé de voûte. Ça donne un caractère assez rustique hein, à cette structure. Ah, il était mute quand il parlait de Samson. C'est un calembour. Il était Samson. Oh, putain, Solarius. Oh là c'est là tellement là nul. Oh là là, mais non.
Mais pourquoi ça, c'est pas un calembour, bon, ça, c'est un jeu de mollet. Oh là là, on descend dans la crypte et honte sur toi. Donc voilà la crypte qui est comme toute crypte. C'est certainement pas un calembour guignon, en tout cas. Ah ouais, Suze aussi est affligée. Même Suze, elle ne valide pas. Donc voilà cette crypte très basse. Donc je vous ai dit tout à l'heure, et là vous pouvez le remarquer au type de colonnade finalement. Archaïque, c'est, le terme est mal choisi, mais vraiment, on remonte assez loin dans le temps, dans cette conception de l'organisation et dans ce type de structure très courtaude de la colonne avec une puissante montée comme ça de la voûte au-dessus d'elle qui est immédiate. Elle est très belle, cette crypte. Et voilà le fameux gisant. Le fameux gisant, oui. Voilà. De Hugues d'Anzy, ouais, dont on parlait tout à l'heure. On peut se rapprocher un peu si vous voulez voir gire le gisant. Ah ouais, c'est flou. Donc là, j'ai mis un petit coup de flash pour qu'on voit mieux les enduits. En fait, c'est parce qu'Agnès croyait voir dans les accidents des enduits une fresque. Elle me dit là, vas-y. Et non. En fait, non. Tiens, une Agnès. Ouais, tiens, une Agnès. Et un petit bout de fraise de qui? Il est là, le moine. Ouais, je peux essayer d'éclaircir un peu pour que vous voyiez mieux la fraise. Oula, qu'est-ce qui se passe avec le son, là? C'est que chez moi, là, qu'il y a un son dégueulasse de Laurent? Ah bon? J'ai un son dégueulasse. Ah oui, t'as entendu un... Ah bah voilà. D'accord. Voilà. Ça y est, c'est tout va bien? Tu devais parler loin du micro ou un truc comme ça? Non, je crois pas. Mais de temps en temps, ma carte son fait des trucs chelous, tu sais. D'accord. Ouais. Donc là, comment on fait aujourd'hui de la resto? On a complètement changé de pratique. Aujourd'hui, on fait ça. On fait des choses non destructives. Et aux endroits où on a des manques, eh ben, on signifie... Irréversible. Ouais, on fait en sorte de soit réversible, effectivement. Ouais. On fait ces petites striures qui, à la fois, vous donnent une indication de la forme générale et ne mentent pas sur leur présence. Donc, on sait que ça, c'est de la restauration, ouais, et que ça, c'est la peinture originale. Et c'est une pratique plutôt chouette. C'est-à-dire qu'on anticipe aussi la nécessité, à un certain moment, de revenir sur nos restaurations. C'est plutôt très bien. Là, on a C'est quand même très, très, très important, quoi, parce que quand on voit de où ça part, la restauration, bah, immanquablement, on va parler de Sir Arthur Evans rapidement, quoi, et de sa restauration du palais de Knossos et des fresques du palais de Knossos. C'est presque un gag, quoi. Enfin, ouais. Moi, je me souviens encore d'une fresque restaurée par Sir Evans à l'époque où les archéologues, c'était encore des pilleurs de tombes avec un titre de Lord. Donc il avait un morceau de coude, il avait un morceau de probablement roux, et il en avait déduit que c'était deux femmes sur un char, tirées par deux chevaux à houppette, armées de lances et casquées. Le mec, tu lui donnes un bras, il te refait une bataille. Donc il avait tout repeint. Côté... Alors heureusement, comme c'était fait à la va comme je te pousse, tu vois les endroits où c'est décapant, quoi, mais... Alors ça, c'est un motif récurrent sur les chapiteaux, alors pour plein de raisons, des raisons thématiques, bibliques, mais pas que. Là, pour le coup, on voit bien tout l'intérêt. Je vous ai parlé très longuement de la quaternité et de l'association de la quaternité au plan temporel, mais en dehors du plan temporel, il y a le plan matériel de l'organisation de l'espace culturel, et évidemment, un plan quaternaire, c'est un plan idéal pour habiter un chapiteau, notamment un tailloir, un espace qui se prête bien à l'occupation spatiale à quatre temps. Donc ce motif-là, que vous verrez souvent dans la région et ailleurs, c'est celui des quatre fleuves du paradis, donc le Tic, le Frat, le Gion et le Fichon. Et voilà, ça se représente souvent sous cette espèce de quatre sortes de créatures c'est spirituel, bon, qui font plus penser, c'est vrai, à des divinités païennes qu'à autre chose, à cause de la corne en l'espèce de laquelle se matérialise le fleuve en question du paradis, avec une indifférenciation appuyée de ces quatre fleuves. De fait, du coup, c'est une représentation qui est très, très similaire à la représentation des dieux fleuves chez les Grecs, quoi. Oui, complètement. Hein. Ouais. Oui, on sent l'autorité historique et le goût pour l'Antiquité à cet endroit-là. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très important et qui mérite d'être souligné. À quel point le Moyen-Âge a été antiquisant. Il était juste plus joueur que l'a été la Renaissance avec l'Antiquité. Mais il l'antiquisait tout le temps, quoi. Tout le temps.
Bah, ça dépend quelle Renaissance. Tu vois, quand tu vois ce que les récentes découvertes archéologiques ont fait faire dans les choix, tu sais, quand on commence à excaver en 1470 et quelques le Domus Aurea, ils se marrent bien quand même. La Maison Dorée, ouais. Ils font des trucs super drôles à la Renaissance avec ça. Ils s'amusent comme des fous, quoi. Ils commencent à faire des grotesques tout à fait sulfureux. Ce qu'on a appelé littéralement l'art grotesque du fait que c'est dans une grotte. La Maison Dorée, c'était une grotte. C'était une grotte. C'est ça. Tout à fait. C'était pas dans une grotte, mais c'était devenu une grotte parce que. Ben là, on voit la Renaissance qui s'amuse. Hein. Quand on voit la Chartreuse de Pavie, par exemple, c'est démon. T'as vu les fraises de la Maison Dorée. Tu t'inspires de ça, forcément. Tu peux pas faire autre chose que de faire du rigolo, quoi. C'est grotesque, quoi, les peintures de la Maison Dorée. Donc, si c'est ça qui t'inspire, forcément. Mais oui, c'est vrai. Ça dépend quelle Renaissance. Alors là, c'est aussi quel Moyen Âge. Ça pourrait être un motif agonistique, mais c'est pas une certitude. Enfin, il y a des choses qui peuvent tendanciellement les interpréter comme ça, mais en dehors de ce fait qu'il y a des lectures qui sont faites directement, enfin qu'on pourrait dire moralisées de ce type de configuration. Moi, j'y vois en plus un jeu fréquent dans la statuaire romane, qui est le jeu de la barbichette, qui est énormément représenté dans la région de Poitiers. Où là, par contre, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est le jeu de la barbichette. Là, je ne pense pas qu'il s'agisse à proprement parler de ça, mais je ne peux pas l'enlever de cette sculpture. Hein. Maintenant que tu me l'as dit, je ne vois plus que ça, moi. disons que les analyses de des statues à cet endroit-là ne le font pas spontanément, alors que j'en connais vraiment la récurrence dans l'art roman du Poitou. Oui, mais parce que encore une fois, c'est pas forcément un motif. C'est pas un motif local. Tout le monde connaît pas tout pour tout, mais c'est encore une fois, c'est pas du tout impossible que ce soit un sculpteur qui avait travaillé sur des chantiers Poitevent. Oui, pourquoi pas. Et qui est fait. Tiens, je vais faire ça. C'est sympa comme motif, j'aime bien. Parce qu'il y a vraiment. Là, maintenant, tu me l'as dit, je vois plus que ça, quoi. C'est vraiment. Je peux répondre à Danibert qui pose une question très judicieuse. Une question à ce propos, comment savoir pour les petites églises romanes si on est devant un goût antiquisant et pas dans un genre de continuité de motifs repris sans interruption depuis l'Antiquité ? Alors, il y a plein de choses. D'une part, des interruptions, clairement, il y en a. Et d'autre part, comme on le disait tout à l'heure avec Gaël, ce qui est quand même important, c'est que les productions cohabitent avec des corpus extérieurs de textes et leur redécouverte, d'un seul coup, fait abonder telle ou telle figure. Donc on sait que la découverte de tel ou tel texte a des effets immédiatement visibles sur telle ou telle production. Et c'est plutôt dans ces va-et-vient permanents qu'on se dit, à ce moment-là, il y a un corpus de textes antiques qui rejaillit et il fait fructifier ou de l'iconographie, ou d'autres textes, enfin du récit, ou des choses comme ça. Et là, on se dit, bon, on a un goût antiquisant qui naît autour d'une découverte nouvelle, d'un apport, d'une traduction, ou d'un truc comme ça. Mais tu te trompes pas en disant qu'il y a aussi des constantes. Enfin, la grecque, par exemple, donc un type de frise, c'est quasiment constant. Enfin, si tu regardes les premières apparitions de ce qu'on pourrait appeler de l'art chrétien, qui sont en général plutôt des trucs romains christianisés, c'est beaucoup de l'art funéraire au début, des tombeaux, etc. Il y a toute une grammaire de formes qui va jamais vraiment quitter l'art sculptural, le chapiteau à feuilles d'acanthe. Je connais pas de moment où il soit absent finalement de la sculpture. Oui, je pensais à ça justement. Ouais. Oui, il y a des constantes aussi, bien sûr. Mais qui sont connues pour être héritées de l'antique. Oui, c'est-à-dire que là encore, c'est pas parce que c'est une constante que c'est pas antiquisant pour autant. C'est connu pour être hérité de l'antique et on joue avec. On joue plus. On joue plus au Moyen Âge en moyenne. Mais il y a des tas, il y a des encore une idée assez fausse qu'on se fait du Moyen Âge, cette idée qu'on a hélas appris à l'école et qu'il faut apprendre à désapprendre, que le Moyen Âge n'avait pas de texte antique et que on découvre l'antiquité textuelle avec la Renaissance. Ça, c'est une idée qui est on peut difficilement faire plus faux. Hein. On peut vraiment difficilement faire plus faux. Quand on retrouve quand on voit les débats que la moitié du Moyen-Âge a pu connaître sur la place
la place que pouvait occuper celui qu'on appelait le philosophe, c'est-à-dire Aristote, qui, je le rappelle, était grec, dans une philosophie d'inspiration chrétienne, et toutes les multiples réponses qui ont pu être apportées à l'époque de la querelle des universaux, notamment. Dit, bah, pour des gens qui ne connaissaient pas les textes grecs, ils ont causé quand même vachement, quoi. Ils ont causé beaucoup. Bon, il faut, ouais. faut dire aussi que là, la période dont parle Gaël, il y a un resurgissement aussi d'Aristote par les Arabes qui va encourager tout le monde à s'emparer de ce corpus. Et... Ah oui, je ne suis pas en train de vous faire du Guggenheim. Hein. Clairement, clairement, y a eu énormément de pertes de textes pendant le Moyen-Âge, pendant toutes les époques, en fait. Il y a eu énormément de pertes de textes. Ça suppose de les réintégrer, ça suppose de les re... et c'est en grande partie par les traductions arabes hein, que ça va être fait. Voilà. Je crois que vous ne trouverez pas de médiévistes, à part les plus droitiers, les plus fascisants, vous ne trouverez pas de médiévistes à vous défendre Aristote au Mont-Saint-Michel de Guggenheim. C'est vraiment... J'ai entendu Luc Ferry se battre. Non mais c'était très drôle. Se battre contre il ça. Il n'est pas historien et c'est un gros con de droite. C'était très drôle. Voilà. Mais vraiment aller à contre-courant de tout ce qu'on sait juste pour enlever cette idée de l'importance des Arabes au XIIe siècle, c'est à mourir de rire. Et du fait que Aristote, on le devrait aux Arabes, c'est tellement mais enfin c'est indéniable. En fait, c'est pas quelque chose dont on peut discuter non, souviens, sérieusement. C'était assez drôle. Je me souviens encore de... Mince, bah, autre chose. Ah là, vous allez voir des chapiteaux les plus dingues. Grand spécialiste de la querelle des universaux, justement, Laurent. Alain Libera. Voilà, Libera. Libera qui avait mouché Guggenheim d'une force du point de vue de la translation. Qu'est-ce qu'il avait sorti déjà? Je crois que la thèse de Guggenheim a à peu près autant d'intérêt que... d'identifier la vraie place de la véritable Mère Poulard dans l'histoire de la guerre du Mont-Saint-Michel, enfin un truc comme ça. Je crois que c'est... Ça résume très très bien. Qu'est-ce qui te manque comme ref, Ragdou? Sur la querelle des universaux, on peut t'en causer si tu veux. T'inquiète pas, mais ça peut être rapide par contre. Avec plaisir. Regardez le chapiteau en question, c'est un des trucs les plus... incroyable qu'on ait croisé pendant ce parcours. Il se justifie à proprement parler d'aucune espèce de combinaison moralisante immédiate qui lui donnerait un caractère de lisibilité frontale. C'est quelque chose qui déjoue toutes les frontières entre l'animal, le végétal et l'humain. Il y a un jeu avec l'astragale, c'est-à-dire la partie inférieure qu'elle a, qui est un élément constitutif d'une colonne, hein, de la partie supérieure du chapiteau de la corbeille et du tailloir, qui d'un seul coup prend une réalité matérielle sur laquelle s'arc-boute un personnage. Et quand je dis arc-bouté, regardez-moi ce truc. C'est très arqueux. Hein. Je sais pas, mais très arqueux. C'est absolument dément. Ce truc est d'une beauté. Et donc, il est dévoré par un animal d'un endroit. C'est marrant. Il y a rien qui... Dans la façon dont il a représenté ses cheveux, là, au personnage, il y a quelque chose de très grecisant. Oui, complètement. Oui, absolument. Ouais. Ah ouais. Il y a évidemment. L'inspiration antique. On peut voir là-dedans une espèce de Léviathan recrachant Jonas. On peut vouloir y raccorder un petit bout d'interprétation, mais on est obligé de tirer ça par les cheveux. La vérité, c'est que c'est non, pas forcément. Le truc, en fait, c'est que c'est pas la question. C'est ça. C'est une question sculpturale. Et Léviathan, par exemple, il ressemble à un Léviathan. Il ressemble vraiment à une représentation de Léviathan assez classique. Quoi. Lui, le Léviathan, ça va, il est bien identifié. Donc pourquoi pas le Léviathan? Mais non, regarde pourquoi non. Je te montre. Tu vois là, cette bouche, regarde ce corps qui s'arc-boute. Et bien en fait, tu vois, ils sont deux, noués par la queue. Donc on quitte, tu vois, la sphère qu'il raccorderait à... On est déjà dans un problème. Oui, mais si tu prends juste ce petit bout là, mais on peut pas. Ça ressemble. Mais le truc en fait, c'est que ça explique pas la forme que ça prend. Pas du même tout. Si ça, c'est on est d'accord. Qui est raconté, ça explique pas la forme que ça prend. C'est pas une représentation artistique. C'est pas une petite histoire.
C'est pas que l'histoire soit pas intéressante. Voilà, j'adore raconter des histoires. Je peux vous raconter l'histoire de Samson par le menu ou l'histoire de Jonas. Tout ça, c'est assez marrant en plus, l'histoire de Jonas. Mais au final, on a affaire à une façon de représenter quelque chose. Pas la chose elle-même, mais la manière de représenter. C'est ça qui est important. Voilà. Et là, pour le coup, la manière de représenter, elle était... Elle était dingue, hein, c'est une liberté... Ouais, j'aime pas cette expression, quoi, mais oui, elle était foisonnante, quoi. Inventive, ambiguë, comme le disait Laurent. Et Ragdouji, je crois bien qu'on déteste le yoga sur cette chaîne. Parce que Minamia propose que ce soit du yoga. Alors, pardon de revenir dessus, mais par exemple, le piquetage pour représenter les cheveux qui fait grec, ça peut pas avoir été redécouvert par les médiévaux dans des textes, ça. Ça veut pas dire qu'on a des explications pour tout, Danimer. Mais non. Et après... Ça peut être un hasard. Typiquement, une chose qui semble très caractéristique, par exemple, de la statuaire de la Mésopotamie antique, c'est cette espèce d'étrange sourire que toutes leurs statues ont, ou presque. Et en fait, c'est un sourire qu'on va retrouver dans la statuaire grecque archaïque, parce que c'est une façon plus simple de faire une bouche, en fait. De le faire avec cette espèce de sourire, c'est une façon plus simple de faire une bouche. Donc c'est un hasard, en fait. Il n'y a pas d'inspiration directe, c'est même problème technique, solution similaire. Ou ça peut être un type qui a vu une statue grecque. Ouais, c'est ça. Il peut se passer beaucoup de choses. C'est des gens, et c'est le truc, tu vois, il a raison, ouais. Les gens bougent. Un type peut tout à fait ramener un truc qu'il a émerveillé pendant un voyage, une certaine façon de traiter la pierre pour donner l'aspect des cheveux. On voit tout ce que les sculpteurs romans peuvent goûter de l'ondulation, de la frisure, etc. Et cette manière grecque de présenter la chevelure est une réponse sculpturale extrêmement intéressante à ce type de questionnement. Elle peut séduire un sculpteur, même Bourguignon, qui s'est baladé ou qui a... Et puis il y a les carnets là, croquis. Je ne plus sur cette hypothèse. Les croquis, voilà. Il y a les carnets croquis. Les croquis, ça se balade énormément aussi. Tu vois, quand on a parlé déjà ici de Villard de Honnecourt, donc c'est plus tardif, c'est le 13e siècle, mais on a les carnets de croquis de Villard, et clairement, il y a des prises de notes de Villard sur des choses qu'il a vues. Donc, on n'a pas des sommes considérables de matériel pour penser. Tu vois, paléographiquement, il y a plein de textes pour lire. Mais il y a peu de choses qui viennent nous dire sur les formes, nous renseigner sur la construction de formes. Bon, là, on parlait de Samson tout à l'heure, donc voilà, un motif caractéristique de la vie de Samson, c'est Samson et le lion. Ah, regarde. Voilà. Qui, comme chacun sait, est une métaphore de l'éternel combat de l'homme contre le centre. Non, c'est pas ça. Parce que quand tu parles d'animaire d'une constante, en fait, s'il y avait constante, on devrait pouvoir observer une vague hégémonie. Parce que tu vois, le problème que ça nous pose, c'est très simple. C'est, si on peut parler de la constante de la corbeille en feuille d'acanthe, c'est parce que précisément, un peu partout où on fait des colonnes, on produit des feuilles d'acanthe. Et c'est-à-dire l'idée selon laquelle telle chevelure qu'on n'a pas vu ailleurs, puisse être le produit d'une conséquence historique, avec un de long... type constante, ouais. Eh ben, il nous manquerait ça. Il nous manquerait la partition, l'étalement géographique. On voit mal comment une seule occurrence pourrait se présenter sans contradiction, tu vois, avec l'idée d'une constante. Donc, ce qui nous permet de dégager des constantes, généralement, c'est parce qu'elles ne sont pas simplement lisibles dans le fond du enchaîné temporel, mais c'est parce que des émanations, il en existe beaucoup, qui puissent nous assurer qu'on a affaire à ça. C'est aussi bête que ça. Hein. Et effectivement, le cas de la feuille d'acanthe, c'est assez typique, quoi. C'est quasiment une norme et ça s'arrête pas. T'as vu comment il lui écarte sa gueule, hein. Comment ? T'as vu comment il lui écarte sa gueule au lion, là ? Ouais. Ah, il fait moins le malin, le lion, là. Hey ! Alors là, je parlais à Gaël, très bien. Un exemple hyper intéressant de la question
de la justification par le sens, contredite par la puissance, je dirais, supérieure de la construction des mouvements de fond, comme mouvements à la fois sculpturaux et on pourrait dire dynamiques, entélechiques même, c'est-à-dire la vie même qui prend un peu partout ses droits. Ici, on a un exemple caractéristique. On a un motif classique énormément représenté en Bourgogne, qui est Daniel et la fosse aux lions. Donc là, on se rapproche, on voit Daniel avec ses lions, sauf que sur le même chapiteau, vous avez deux fois la même figure, dont on ne doit pas douter qu'il s'agisse de Daniel et la fosse aux lions. On a tout ce qu'il faut pour attester cette configuration, mais il y a deux Daniels. Ça veut dire qu'on a en gros Daniel dans la fosse aux lions-lions. Mais Daniel dans la fosse aux lions-lions, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Daniel, il n'y a pas des lions-lions. Donc ça veut dire que la raison sculpturale l'a emporté, et son rythme propre, son rythme d'organisation, sa façon d'habiter un espace, eh bien l'a emporté sur, sur la raison de la storia, de l'histoire elle-même qui constitue le motif et la justification de base de cette représentation. Ça, c'est un cas hyper intéressant. Quoi. De toute façon, même quand on représente une histoire, on fait encore des choix dans la représentation qui sont pas entièrement conditionnés par l'histoire. Quoi. Le nombre de tableaux dans lesquels tu vas avoir une représentation simultanée d'événements chronologiques, où tu pourrais le faire en frise, mais le peintre a choisi de le représenter sur un même plan temporel, parfois en jouant sur les différents plans spatiaux, voilà. Du tableau. J'ai en tête un François Hélène qui vole, par exemple, qui est assez typique de ça. Le peintre aurait pu choisir de le réaliser en frise avec comme un strip, en fait. Mais non, il le représente simultané. C'est un choix qui n'est pas conditionné par l'histoire qui est racontée du tout. Qui est un choix pictural, en l'occurrence. Vous voyez ce que je veux dire, les gens ? Oui, bien sûr. Ici, donc, on a une sorte de cochon qui broute des palmettes. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que, en fait, la créature a un point de contact avec un ornement. C'est-à-dire que la palmette qui a, je dirais, pris forme d'éléments décoratifs comme presque une simple justification métrique d'une allusion. Abstrait au sens littéral du terme. C'est ça, le plus littéral. Reprend ses droits, redevient palmette à cet endroit-là, c'est-à-dire redevient feuille de palme pour être broutée. Et ça n'arrête pas dans l'art. Ouais, exactement. Ça relittéralise quelque chose qui avait perdu sa littéralité. C'est magique. Ouais. Ouais. La roman fait ça tout le temps. Qui vient de dire, on dirait du Houellebecq. Comment fait-il qu'on peut écrire Houellebecq dans ton direct, Laurent ? Ah, je sais pas qui a fait ça. Daniel 1 et Ragdou, dénoncez-vous. Ragdou, tu iras en prison. C'est très très vilain. Qu'on le jette au lion. Au lion, lion. Ragdou. Au lion, lion. Qu'on le jette au lion. Qu'on le grignote. Enfin, non, ils ne grignotent pas les lions. Hein. Il faut pas qu'on le fasse mâchouiller à mort. Qu'il soit mâchouillé à mort. Là, allez, on change d'endroit. Ce qui veut dire que cette fois-ci, on a fait trois églises, Gaël, et on va pouvoir faire une quatrième. Je suis pas sûr d'avoir la force de t'accompagner pour la quatrième. Je vais rester un petit peu au début. Je te laisse juste commencer. Je fais une post-clock et je commence vraiment à avoir mal aux oreilles. D'accord. Ce nouveau casque là, il est terrible. Alors, je te le dis tout net, Bougie est une toute petite église et il n'y a pratiquement rien à voir. Donc c'est formidable. On va pouvoir juste finir là-dessus. Ça vous va ? Ouh là là. Post-clock. M'attendez pas. Allez-y. Hein. Je reviens dans 5 minutes. Alors, on va faire un petit saut de rien du tout. À Bogie, plus parce qu'elle est sur le chemin de tout ça et qu'elle est intéressante structurellement. Elle fait partie des trucs qu'on peut voir. Alors Bogie est pas tout à fait dans notre zone de visite. Elle se trouve sur le chemin puisqu'elle est pas loin de Bourges en fait, hein. Mais elle nous conduisait sur notre voie. Donc c'était intéressant de voir une église, parce que évidemment le fait de pas se tenir uniquement à la petite région qu'on a visitée, mais de tenir compte
du parcours qui nous y conduit, ça nous amène aussi à la possibilité de voir des zones de chevauchement d'intérêt entre telle et telle zone, de voir apparaître ici un motif qu'on voit encore un peu plus loin, ou qu'on ne voit plus du tout une fois qu'on a dépassé tel ou tel endroit. Donc ça, ça fait partie évidemment du plaisir du voyage à la recherche des œuvres d'art, que ce soit des églises ou autre chose, c'est de voir le caractère comment extrêmement arbitraire finalement de territorialiser de façon précise les contours de telle ou telle zone d'activité avec telle ou telle forme, puisqu'on a déjà bien vu que rien qu'en Bourgogne, la proximité du Clunisien et du Brionnais qui est un peu différent, fait que la région en elle-même, elle est déjà diaprée dans sa présentation. Et ben le fait d'étendre ça à la surface du territoire, à l'intérieur du déplacement, rend ça encore plus sensible. Donc, à bientôt, Samou Sassa. Mais c'est presque fini, hein. Bougie, c'est tout petit, et on a juste quelques photos à voir. Donc, c'est une petite église. Du 11e siècle, donc une église assez ancienne. Vous voyez son plan là, qui est tout simple. On a une petite nef rectangulaire, vous voyez là, avec trois petites travées. Elle a conservé, ça c'est très chouette, toute son unité architecturale. Voilà, elle est vraiment entière. Elle n'a pas été retapouillée. Donc, dans le chœur, il y a des arcatures sur des colonnes avec des chapiteaux. Et puis, il y a des petites coupoles sur trompe. Donc ça, on pourra regarder la coupole sur trompe pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, il y a plusieurs chapiteaux avec des animaux musiciens, comme on a vu à l'instant. Donc, on peut voir des animaux qui jouent de la cithare, de la viole ou de la trompe pour un autre. Il y a un petit clocher qui est très beau, qui est puissant, qui est sur une base carrée, celui-ci, comme la plupart de ceux qu'on a vus là. Avec un étage qui a des jolies baies géminées qu'on va voir tout à l'heure, avec des petits chapiteaux aussi. Vous allez voir ça. Je vous file d'abord les liens dans le chat, ici, qui vous permet d'aller voir des trucs sur Bougie. Voilà. Vous regardez ce petit plan, donc avec ces trois petites travées, son cœur ici, et hop, son abside. On voit qu'il y a plein de baies qui percent l'abside pour l'illuminer. Et ça donne une lumière très particulière à cet endroit. Voilà, il y en a cinq, hein. Une dans l'axe de la nef, et ensuite une partition autour. C'est joli comme tout. Donc, hop là, mon plan est où? Hop, voilà, j'entends la télévision chez Gaël. C'est bizarre. Je pense que c'est sa maman qui regarde quelque chose. Donc ça c'est le plan, et voilà la petite église. Donc vous voyez cette unité magnifique que présente la petite église de Bougie. Donc Bougie, je vous écris son nom quand même, que vous sachiez de quoi on cause. Donc là il faut un peu circuler, hein, pour aller la choper, elle est vraiment dans les terres un peu loin, donc c'est pas des églises que vous allez croiser sur votre chemin, c'est des églises qu'il faut aller chercher. On retrouve cette belle couleur, vous voyez ce puissant... clocher carré dont je vous ai parlé. Il y a juste un petit étage comme ça, avec des baies qu'on appelle les géminées. Bon, vous pensez au mot gémeaux, comme ça vous saurez vous en souvenir. C'est des baies géminées, et vous voyez les arcs qui reposent ici sur des petits chapiteaux. Voilà, tout simple. Voilà. Avec son abside, toute mimi. Un portail, ben alors, extrêmement rudimentaire. On peut pas dire qu'on ait beaucoup d'effets ornementaux pour nous accueillir dans cette église. Il y a toutefois un peu de travail sculptural sur les chapiteaux qui soutiennent l'arc, hein, avec une sorte de bestiaire et un jeu de palmettes dans la partie supérieure, ce qu'on appelle le tailloir, voilà. Voilà, de plus près, cette jolie petite chose. Là, vous trouvez les animaux musiciens. Vous voyez celui qui joue de la trompe, ici, dont je vous parlais. Celui qui joue de la viole, vous voyez ici. Et lui qui tient très probablement une cithare. Nous voici dans Bougie. Donc là, on voit bien, c'est les belles voûtes d'arête. Des voûtes qui soutiennent donc les différentes travées. Je crois que c'était trois travées. Hein.
Bon, les fresques sont pas intéressantes, hein, c'est des fresques du 19e, on s'en fout complètement. Et je voulais vous montrer ce très beau volume. Alors, on parlait d'églises qui peuvent être très sombres. Là, typiquement, on est dans une petite église bien sombre. Et voilà. Et c'était tout pour Bogie. Voilà. Mais je voulais au moins vous montrer la beauté de son organisation au sol et de son plan. Et puis, j'aimais bien l'idée qu'on ait réussi à avoir un petit peu plus d'églises cette fois-ci que d'habitude, même si au fond, Bogie est presque un prétexte. Donc, c'est fini, on a visité Bogie. Je vais te remettre la photo quand même, que tu vois un petit peu rapidement sa structure. C'est voilà. Joli quand même. C'est absolument... C'est petit, mais c'est joli. C'est trois fois rien, mais c'est absolument adorable. Ouais, c'est trois fois du très très beau rien. C'est quoi. Du beau rien comme tout. Ouais. Merci pour le follow, Switcher. Eh ben, j'espère que tout ça vous a plu. Est-ce que tu veux le mot de la fin, Gaël, après cette petite promenade dans la Bourgogne romane? Qu'est-ce que tu nous dirais pour conclure tout ça? Moi, je vais parler d'histoire un petit peu rapidement. Allez, je vais parler d'historiographie, en fait. Allez, vas-y, mon pépère. Vous savez qu'une de mes marottes, c'est l'histoire religieuse. Ceux qui m'ont déjà entendu en causer m'ont entendu beaucoup dire de mal de la mythologie comparée. Le problème que j'ai avec la mythologie comparée, c'est que du point de vue historique, c'est pas vraiment sérieux. On fait des ponts un petit peu comme on les sent. Hein. On s'amuse à mettre en relation des choses dont on n'a pas vraiment de moyens d'attester une relation réelle, etc. etc. Mon problème... n'est pas le fait de faire ça, en fait. Mon problème est le fait d'essayer de faire croire qu'on est en train de faire autre chose que de s'amuser, en fait, avec des éléments du passé disparates. Si c'est pour jouer, ça me va totalement, en fait. Si c'est pour jouer, ça me va totalement. C'est pour ça que, par exemple, j'ai beaucoup de sympathie pour mince. L'analyse littéraire à la... merde, SZ... là où tu oses. SZ, Laurent. Barthes. J'ai beaucoup de sympathie pour Barthes. Parce que Barthes est très explicite sur ce qu'il est en train de faire. Vous apprendrez pas grand-chose de Sarrazine en lisant SZ, dit Barthes. Vous apprendrez des trucs. Voilà. Vous apprendrez à jouer. Mais si vous voulez apprendre sur Sarrazine, lisez plutôt Sarrazine, quoi. Voilà, c'est mon mot de la fin. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que... Lisez Balzac, c'est le mot de la fin. Voilà. Lisez Balzac, c'est le mot de la fin. Mais lisez Barthes aussi, voilà. Lisez Barthes, lisez Balzac. Encore une fois, Barthes est très honnête sur sa démarche. Voilà. Et lâcher les comparaisons foireuses à base de... Ah ouais, mais ça ressemble drôlement, surtout en matière de mythologie, parce que là, on va dans le mur, ça donne Mircea Eliade, des genres de conneries, ou Jung, et les formes primordiales. voilà, c'est ça, non, les archétypes et toutes non, ces conneries. Non, mais là, on est 5 étages en dessous de la mythologie comparée. Moi, quand je parlais de mythologie comparée, j'ai un ouvrage de Norman Cohn, par exemple, dans ma bibliothèque. Bon, j'aime beaucoup Norman Cohn. Norman Cohn est un spécialiste des apocalypses juives à la base. Et c'est quelqu'un qui est très connu pour avoir écrit une histoire des hérésies dans la dernière partie du Moyen-Âge, en particulier à partir du XIIe, XIIIe siècle, qui est très très datée, par contre, mais qui est très rigolote à lire. Et il a écrit un bouquin qui fait... donc, mec est spécialiste des apocalypses juives, il n'est pas dans son domaine, quoi. Qui fait une espèce de méta-histoire des religions antiques, depuis la religion égyptienne primitive, en passant par la réforme osirienne, qui est une réforme populaire, avant d'être récupérée par le temple, d'ailleurs, et en partant après chez les Perses, en revenant chez les anciens Hébreux, etc., en parlant du passage du yavisme à ce qui va devenir le judaïsme, jusqu'à terminer sur sa spécialité, c'est-à-dire les apocalypses juives. Tout ça n'est pas extrêmement sérieux, et pas carré, c'est pas du Mircea Eliade non plus, et c'est très sympathique, si on le prend pour ce que c'est. Un type qui se fait un peu plaisir, quoi, en gros. Si on le prend comme du Barthes, ça passe.
Jung et Eliade, au secours. Enfin, à part servir d'amorce pour un beau feu de joie, ça ne sert à rien. Il y a pas grand-chose à en faire. Il y a rien à en faire. C'est vraiment du gâchis de papier, quoi. C'est vraiment du gâchis de papier. Alors, chers tous et toutes, je vais vous envoyer en raid chez Plantophage. Là, il est en train de jouer, donc... Oui, Planto est en live. Mais j'aime bien cette chaîne. Et donc, c'est juste pour le plaisir. Il n'y a que 7 personnes, donc grâce à vous, il y en aura un petit peu plus. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Moi, je vais sans doute faire un live dimanche. Donc, voilà, ça dépendra de la fatigue. Donc, on se voit peut-être dimanche. Voilà, donc comportez-vous bien, d'accord. Soyez gentils chez Plantophage. Voilà, mais je sais que vous vous comportez bien parce que vous êtes évidemment une communauté tellement formidable. Hein, ouais. Donc, je savais tellement bien vous tenir. Ouais, j'aime bien du Mézil, il y a des trucs chouettes quand même. Dumézil était un salfaf de merde. Oui, mais ça veut pas dire qu'il écrit que des conneries. C'est ça, ouais. Il y a des trucs. On peut faire des choses avec Jung, vous ferez rien. Mais faut quand même garder à l'esprit en le lisant que c'était un salfaf de merde et que ça se ressent dans sa façon. Ça m'aurait étonné qu'on parle pas au moins de fascisme.